Bonsoir à toutes et à tous. Les transports publics gratuits, une mesure sociale et écologique essentielle ou une fausse bonne idée, c'est l'intitulé, c'est le thème de cette table ronde organisée ce soir par Solidarité, Lausanne pour Ensemble à gauche, ici à l'Espace Pôle Sud, à Lausanne. Vous n'êtes pas avec nous, malheureusement, mais vous allez pouvoir interagir tout de même en nous envoyant vos questions, vos remarques. Euh, on essaiera d'y répondre à partir de 21h. Une initiative pour des transports publics gratuits. A été lancé à Fribourg. Les signatures viennent juste d'être validées. Elles ont d'ailleurs été plus nombreuses que nécessaire. 8 000 signatures ont été recueillies alors qu'il en fallait seulement 6 000. Une autre initiative de ce type existe à Neuchâtel, dans le canton de Vaud également. C'est vrai qu'on vit une crise écologique et climatique majeure et pourtant la voiture est toujours le moyen de transport privilégié. Alors la gratuité, est-ce qu'elle permettrait de pousser les usagers vers les transports en commun Pour certains, c'est la panacée, c'est la solution. Pour d'autres, c'est trop tôt, trop cher, pas assez efficace. Alors, pour en discuter ce soir, on a avec nous quatre candidats aux élections communales lausannoises, plus un représentant du POP qui n'est pas candidat, mais qui s'y connaît beaucoup en mobilité tout de même. José Ibarra, vous représentez ce soir Les Verts. Vous êtes économiste des transports au centre des transports de l'EPFL et chercheur en mobilité douce à l'UNIL. J'enchaîne directement et puis je vous dirai bonsoir à tous dans. dans dans un même temps, ensuite, Oleg Gafner, vous êtes coprésident euh, des Jeunes Vers Suisses. Jonathan Chavan, à ma gauche, vous êtes membre du comité du PSL. Euh, Francisca Meyers pour Solidarité, vous êtes candidate à la municipalité, et Julien Schwab pour le POP. Bonsoir à tout le monde donc. Bonsoir. et bienvenue. On va procéder en trois parties pour notre discussion de ce soir. On va je vous propose qu'on fasse d'abord un petit état des lieux de la mobilité à Lausanne. On viendra ensuite spécifiquement sur cette question de la gratuité des transports publics. Et puis on explorera aussi d'autres pistes parce qu'on verra que pour certains, ben, ce n'est pas forcément euh, suffisant ou pas forcément l'idéal, cette solution de la gratuité des transports publics. Euh, public. José Ibarra, on commence peut-être avec vous. Quel diagnostic est-ce que vous faites de la situation à Lausanne euh, en matière de mobilité alors que la ville vient d'annoncer son plan climat qui prévoit notamment euh, entre, parmi 170 autres mesures euh, de bannir les véhicules thermiques d'ici 2030 Peut-être pour commencer, j'aimerais bien euh, peut-être une, 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 avoir une petite perspective un petit peu historique. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en mobilité, on subit les conséquences finalement d'une politique euh, qu'on qu mène depuis euh, bientôt un siècle, qui est vraiment une politique euh, qu'on peut dire de voiture donc dans le sens où oui euh, nous avons vu beaucoup de progrès en mobilité dans la mobilité douce euh, on a fait aussi beaucoup de progrès en, dans les transports publics ces dernières décennies mais finalement lausanne comme la plupart de villes reste finalement tout ce qui est pas le, la vieille ville ça reste quand même conçu à, en ayant toujours la voiture dans le centre euh, et puis ça c'est enfin en ayant la voiture au, au cœur donc ça, c'est très important à comprendre parce que ça, ça, ça génère plein, plein, plein de conséquences. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, finalement, les villes se sont trop étalées, se sont étalées plus que la population n'a augmenté. Et puis euh, finalement, on a rendu les gens en quelque sorte un petit peu dépendants euh, de la voiture. Ou en tout cas, on a vraiment augmenté les distances, euh, les distances un peu quotidiennes, les distances un peu normales qu'une personne euh, moyenne euh, doit parcourir. Exactement, oui. Donc, euh, pour vraiment le, le but, donc même avant d'aborder la question de la gratuité des transports publics, il faudrait vraiment réfléchir sur ce, ce besoin en mobilité. Euh, et puis vraiment essayer de sortir de, de finalement ces servicieux qui fait en sorte que parce qu'on doit toujours aller plus loin. La voiture permet de, de, de vivre plus loin, d'aller toujours plus loin, et donc on construit plus loin, et donc on a finalement besoin d'une voiture. Puis maintenant réfléchir au transport public qui doit venir un peu rattraper tout ça. Puis on doit finalement déployer des réseaux de transport public qui sont parfois difficilement rentables parce que euh, eh bien on a créé juste des territoires qui sont pas euh, assez densément peuplés. Euh, et où finalement euh, la personne qui choisit de ne, de, de, de passer de, 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 de ne pas utiliser une voiture dans certaines situations c'est vraiment parce que elle veut ou parce que elle veut faire un jet pour la société mais ça reste quand même la voiture reste toujours l'option euh, la plus on va dire la plus rapide. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte de créer, de, de transformer le, le système de mobilité et de, qui a beaucoup d'interactions avec l'urbanisme, pour que voilà, pour que la voiture soit pas l'option la, la plus rapide pour une bonne partie des gens. Du point de vue du tout voiture, de ce que vous venez de dire. Alors je pense, euh, je pense même avec les derniers progrès, je pense pas qu'on puisse dire ça, non. Merci, Oleg Gafner, votre votre diagnostic, votre regard sur l'état de lier de la mobilité à Lausanne aujourd'hui. Alors je, vais, je vais compléter ce qui a été dit par, par mon camarade. Je pense qu'il y a la question de récolter les fruits de ce qui a été fait à Lausanne. On a, il y a quelques années, commencé par démanteler les réseaux de tramway avant de de, de racheter des, des, des bus pour après repasser au trolley puis pour se dire mince ben en fait on est un peu en retard je pense qu'on est euh, éminemment en retard mais en comparaison avec d'autres villes suisses on est aussi en retard si on prend une agglomération zurichoise qui a su développer et être très ambitieuse dans ses moyens dans ses euh, dans ses réseaux on a aussi une ville euh, qui développe un, un, un réseau en étoile euh, donc concentré sur un sur sur un sur un point central en ville donc tout circule par le centre ville du coup on a un centre ville extrêmement congestionné on a la peine encore avec les lignes diamétrales on en fait tout circuler par le centre. Euh, Lausanne d'ailleurs est une ville centre, donc on, va, on doit aussi assumer une mobilité pour tout le canton. Euh, on va y parler quand on parlera de finances, mais on supporte aussi une partie des, des, des coûts et l'infrastructure que, que nécessite la mobilité cantonale de par la, la position de Lausanne. Et il y a un peu les, le double paradigme le fait qu'on développe. On rattrape notre retard en termes d'infrastructures et du coup les gens reviennent gentiment au transport public et aussi le fait qu'il y a une augmentation démocratique, une volonté politique peut d'aller un peu plus vers le, les transports publics. En tout cas, c'est ce, ce que je souhaite. Et puis qu'on a du retard sur, sur beaucoup de niveaux, notamment sur la question aussi de l'accessibilité de, de, de ces transports publics. Jonathan Chavannes pour le Parti Socialiste. Oui, du coup, alors, on se rejoint, je pense, très bien sur énormément de points, sur le diagnostic de la ville mm -hmm. de Lausanne. Maintenant, ce que je peux peut-être me permettre de rappeler. Aussi pour les téléspectateurs, c'est ce qui a été fait et puis ce qui va être fait pour la suite. Parce qu'on ne peut quand même pas dire que Lausanne ne fait rien euh, depuis un, un moment. Il y a des très gros travaux qui vont être, euh, des gros chantiers qui sont prévus. On peut parler par exemple du M3, de la ligne du tram on peut parler des bus à haut niveau de service qui sont en train d'être lancés. Je pense que maintenant Lausanne a su, avec sa politique des dernières années, aussi euh, lancer ces projets un peu plus fous, un peu plus, plus grands, afin de développer les axes forts de la ville. Pour après pouvoir justement permettre, euh, dans un deuxième temps peut-être, de relier euh, les quartiers ou les zones moins bien desservies à ces axes forts qui vont leur permettre d'aller un peu plus, euh, de, de mieux voyager dans la ville de Lausanne. Et du coup, on peut quand même rappeler aussi que Lausanne est une ville avec une grande gare CFF, une des plus grandes de, de Romandie. On aura certainement la plus, deuxième plus grande gare de, de Romandie avec le Flon qui va se développer. Et du coup, on peut quand même dire que ces prochaines années, ce qui a été fait les années passées et ces prochaines années, on va quand même, euh, je pense, sur de bonnes voies avec la politique qui a été menée au niveau euh, des transports publics. Mais c'est sûr qu'il ne faut, euh, faut pas lâcher prise et il faut continuer quand même à, à développer pour que tout le monde puisse avoir accès autant au niveau de l'offre qu'au niveau financier euh, à, ces, à ces transports. Donc un regard plutôt plus positif et optimiste que ouais, vos deux préopinants. <laughs> bien sûr, je pense qu'on peut être positif parce que on, alors effectivement, c'est difficile de s'imaginer à quoi va ressembler le M3. On voit des maquettes, on voit des, des images, on, on, c'est difficile de se représenter le tram. Mais rien que j'ai vu pour la première fois il y a quelques mois, le bus à haut niveau de service traverser la ligne numéro 9. Disons, rien que ça, c'est impressionnant quand même. Et, et du coup, on peut s'imaginer qu'avec le, le M3 et le tram, on aura quand même un, un bon développement, une, une bonne base en tout cas, pour développer à Lausanne un bon réseau de transport public. On continue ce tour de table avec vous, Francisca Meinhertz. Quel, quel tableau vous dresseriez de la mobilité à Lausanne aujourd'hui si vous parliez de, de la mobilité de cette ville à quelqu'un qui débarque, de Mars bah, de Mars, je ne sais pas, mais déjà euh, d'autres villes suisses, euh, je pense, on peut dire avec euh, regret que Lausanne, en fait, est un peu à la traîne, euh, au, au, enfin, autant par rapport à la part modale des transports publics et euh, par rapport à la part modale euh, des mobilités actives, donc tout ce qui est vélo et... et Mobilité piétonne et puis je dis ça parce qu'en fait il y a un lien entre entre cette mobilité active et aussi les transports publics et notamment les voitures parce que une, un facteur qui fait qu'à Lausanne euh, le vélo il soit pas répandu malgré euh, les vélos électriques qui deviennent de plus en plus accessibles et qui permettent de franchir les pentes c'est l'omniprésence de la voiture et puis là je rejoins effectivement euh, les camarades euh, du, enfin, des parties jeunes vertes en fait, à Lausanne, euh, le nombre de voitures, il, il continue actuellement toujours à augmenter, euh, et puis aussi le, la taille des voitures. Il y a dés désormais une voiture sur six est une SUV, et puis cette part continue d'augmenter. Euh, et puis en fait, euh, c'est assez, enfin c'est assez étonnant dans le sens que presque la moitié des ménages lausannois n'ont pas de voiture, mais il y a quand même des énormes embouteillages. Donc il y a vraiment à Lausanne une omniprésence de la voiture qui pas est en une partie euh, liée au, au fait que Lausanne est une ville-centre, euh, mais c'est aussi euh, en partie lié au fait que, euh, effectivement, enfin, le, le réseau des transports publics, euh, l'infrastructure présente, elle est de assez bonne qualité, là je suis, suis d'accord avec euh, le camarade UPS, mais euh, ce réseau, il a un coût assez élevé. Et puis actuellement, et là on n'a que des données au, au niveau suisse, euh, les dépenses pour la mobilité, ça constitue entre 7 et 9 euh, des dépenses des ménages. Et cette part, elle continue d'augmenter parce qu'en fait, les transports publics deviennent de plus en plus chers euh, d'année en année alors que les salaires et le pouvoir d'achat sont en plus euh, en mode euh, stagnation vers baisse. Euh, et puis déjà, on voit ça que ça constitue un problème pour les personnes parce qu'il y a eu... Euh, par des personnes, disons, qui fraudent les transports publics dans le sens de ne pas avoir de titre de transport valable, elle a augmenté d'un quart mmh. euh, ces dernières années. Donc, en fait, on voit que même si la qualité du réseau, elle est bonne, en fait, il y a des personnes qui peuvent juste pas se le payer. Et puis, enfin, à quoi ça sert des transports publics euh, qui sont de bonne qualité À quoi ça sert d'investir dans un M3, dans un tram, si après, les personnes n'ont pas les moyens de se les financer Et donc, là, je pense il faut vraiment euh, permettre, en fait aux personnes de, de désengorger cette ville par les, enfin, les voitures en rendant ces transports accessibles. On anticipe un tout petit peu sur, euh, sur ce qui va nous occuper dans la deuxième partie de cette table ronde. J'aimerais qu'on entende Julien Schwab pour le POP sur le diagnostic que vous posez sur l'état de la mobilité aujourd'hui à Lausanne. Bon, du coup, moi j'arrive en, en dernière position et je crois que tout a, a été dit sur le sujet. Euh, au sein du POP, la question en particulier sociale euh, des transports quand bien même on, on, les, on les développe, et c'est vrai qu'énormément d'argent est, est investi là-dedans, euh, reste problématique. Donc là, je rejoins euh, Francisca là-dessus. Euh, après, c'est vrai qu'au POP, on a aussi un petit peu dans l'idée d'envisager de, la question des transports, plutôt aussi sur une base cantonale, parce que c'est vrai que de se limiter euh, à, la, à la ville de Lausanne, qui est quand même une ville qui est bien connectée avec euh, la, péri, euh, la périphérie. Euh, disons que de considérer ça comme un, un problème euh, centré, euh, centré sur Lausanne est, est quelque, peu, euh, quelque peu limite. Et puis, euh, bah, une dernière chose, euh, ça résume un petit peu le, le tout. Euh, pour nous, il y a un véritable, une véritable stagnation en fait du, du report modal, c'est-à-dire qu'il y, y a énormément d'argent qui est investi, et ça c'est vrai, mais que ce soit aussi euh, la route ou le, ou le rail, hein, ça se compte en milliards, c'est des, 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 des sommes qui sont assez astronomiques. Et puis, euh, on doit quand même se poser la question des objectifs qu'on se, qu se fixe, euh, notamment en 2030, 2040, 2050, et puis euh, de, de l'efficacité de chaque franc qu'on investit dans, notre, dans nos réseaux de, de, de transport. Et si l'objectif, justement, c'est de passer à plus de transports publics, bah, en tout cas, sur ces 10-15 dernières années, on n'est pas très bon euh, à ce sujet-là. Donc, pour nous, il y, y a un véritable coup de fouet à donner euh, sur ce, sur ce domaine-là. Merci beaucoup pour ce premier tour de table, pour ce premier diagnostic, ce premier regard hein, sur la mobilité à Lausanne. On voit que euh, ben, des voitures, il y en a encore, selon euh, l'ensemble d'entre vous, euh, beaucoup trop. Euh, et puis, le, le, le diagnostic diffère euh, suivant vos, vos sensibilités. Bien sûr, vous êtes plus ou moins alarmiste. Il existe des choses il y a des projets, vous nous l'avez dit. Euh, ils sont pas forcément suffisants. Si on en vient maintenant. Au cœur de ce débat, à notre raison d'être là ce soir avec vous, la gratuité des transports publics. Francisca Meinhardt, vous avez un tout petit peu anticipé tout à l'heure en nous parlant des difficultés économiques des gens. Et donc pour vous, ça veut dire que c'est une mesure peut-être avant tout sociale plus que euh, écologique, cette gratuité En fait, c'est les deux. Euh, dans le sens, et puis là, euh, on a la chance de pouvoir se baser sur des expériences existantes à la fois de, de plusieurs villes en France et en Belgique, mais aussi euh, du pays de Luxembourg. Euh, en fait, c'est une mesure qui permet d'agir sur les deux plans. Euh, dans le sens que, euh, à ces endroits où la gratuité des transports a été instaurée, ce qu'on a observé, c'est effectivement un report de la voiture au transport public. Donc, il y a eu, euh, suite à l'instauration de la gratuité, de la gratuité, une augmentation euh, de l'utilisation de des transports publics, et puis des sondages ont montré que, en fait, une assez grande partie euh, de ces nouvelles euh, utilisatrices et utilisateurs sont des personnes qui avant voyageaient en voiture. Euh, donc euh, dans ce, enfin, ce sens-là, c'est une mesure écologique euh, qui permet euh, de réduire le nombre de voitures euh, présentes dans la ville. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même, euh, par exemple, eu des personnes euh, qui, ont, suite à l'instauration de la gratuité des transports publics, renonçaient entièrement à la voiture, donc qui ne possèdent plus de voiture alors qu'avant, euh, ces ménages en possédaient. Euh, donc voilà, c'est une mesure euh, écologique, mais c'est aussi une mesure sociale, dans le sens que... Euh, ça a permis euh, de faire des énormes économies aux ménages euh, dans ces villes et, et à Luxembourg. Et puis là, en fait, on peut s'attendre à encore beaucoup plus euh, en Suisse, parce qu'en fait, par exemple, euh, et là, il faut que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble qu'à Luxembourg, euh, la participation par les billets de la population au transport public était avant euh, à la hauteur de 8%, alors qu'en Suisse, elle est de 44%. Donc, en fait, les épargnes que peuvent faire les ménages suite à l'instauration de la gratuité des transports publics, elle est bien plus importante euh, que dans ces autres pays. Euh, et dans ce sens-là, en fait, c'est vraiment une, une, une mesure euh, qui permet... Euh, qui est qu social. Et puis là, j'aimerais juste euh, ajouter un dernier élément, en fait, qui fait qu'en Suisse, il y a quand même pas mal de personnes qui, qui sont très acharnées sur l'utilisation de la voiture. C'est en fait qu'il y a une très faible multimodalité entre la, enfin, par rapport à la voiture, dans le sens qu'une fois que les personnes ont investi dans une voiture, euh, en fait, rarement ces gens peuvent ou veulent encore se payer des abonnements des transports publics. En fait, c'est une sorte de double charge financière que peu de ménages veulent ou peuvent assumer. Et dans ce sens-là, la gratuité des transports publics, elle permet à des personnes de garder leur voiture, l'utiliser de temps en temps, mais d'utiliser dans leur vie quotidienne les transports publics. Et c'est en fait là où on voit la plus grande baisse de l'utilisation de la voiture. C'est pas les utilisations occasionnelles, les week-ends pour aller faire du ski, mais c'est vraiment dans la vie quotidienne où des gens qui ont déjà une voiture, voilà, pour des occasions. Après, Utiliser aussi pour se rendre au travail. Jonathan est-ce que, d'après vous, on va assister effectivement, si on introduit demain cette mesure de gratuité des transports publics, à un report des automobilistes vers les transports en commun, notamment pour des raisons économiques euh, ben Alors, je suis peut-être un petit peu plus critique parce que, par rapport à ce que j'ai pu me renseigner sur Internet ou ce que j'ai lu par rapport aux expériences qui ont été faites dans tous les autres pays, a priori, il n'y a pas eu ce report modal euh, voiture-transport public. Ce qui s'est passé, il y a eu une augmentation dans certaines, dans certaines régions, mais c'était plus des gens qui, euh, par exemple, ne prenaient pas les transports qui les ont pris, ou alors des gens qui euh, ont plus profité du fait de, euh, de, se, de se mouvoir, d'utiliser les transports publics pour euh, se déplacer. Donc, je, je, à mon avis, moi, la question euh, écologique, je ne pense pas forcément qu'elle est, elle est vraiment importante ici, dans le sens où... Si je, comme je le pense, puis comme j'ai pu le lire, alors je peux pas vous dire que c'est la vérité, ça, je, je ne sais pas. Mais euh, si les gens effectivement ne changent pas leurs habitudes en passant de la voiture au transport public, alors dans ce à ce moment-là, l'impact écologique il est nul et, et, et il est, il est nul. Disons que si même on peut convaincre 10 personnes à Lausanne de prendre les, les transports publics au lieu de la voiture, c'est toujours ça de gagner Donc on ne pourra pas. Euh, effectivement être euh, contre cette, euh, cette, euh, cette vision-là. Par contre, au niveau de, de la question euh, sociale, euh, c'est là que, que je suis assez d'accord qu'il y a un gros problème pour les personnes qui doivent se payer les transports publics et, et c'est pour ça qu'on propose peut-être différemment euh, de ceux qui proposent la gratuité complète c'est d'aller un peu plus par étape c'est à dire qu'on va d'abord proposer aux jeunes actuellement les jeunes jusqu'à 20 ans ont, euh, sont subventionnés à Lausanne à hauteur d'un demi tarif qui est payé à moitié par la ville et euh, on propose d'élargir ça à, aux jeunes jusqu'à 25 ans. Et aux personnes à la retraite. Donc ça, ça a déjà été déposé. Et puis, euh, donc le postulat a déjà été déposé. A priori, dans le plan climat de la ville de Lausanne, ils sont assez d'accord avec nous parce que c'est effectivement des mesures qu'ils veulent prendre. Ils ont rajouté encore, et on est complètement convaincu aussi avec ça, que toutes les personnes qui bénéficient de, des prestations complémentaires à VSAI doivent aussi pouvoir bénéficier de ces subventions. Et puis là, je pense qu'on attaque vraiment deux parts des gens qui utilisent ou qui pourraient utiliser la voiture. C'est-à-dire les personnes plutôt qui arrivent à la retraite, qui, ont, qui sont quand même une classe de personnes qui ont l'habitude de la, de la tout-voiture. Comme on nous a fait remarquer avant, c'est vraiment eux qui ont commencé d'utiliser la voiture et qui on doit habituer à à prendre les transports publics et qu'on ne doit pas lâcher, on ne doit pas leur dire arrêtez votre voiture, mais alors euh, débrouillez-vous pour payer vos abonnements. Non, on les accompagne et on leur permet de continuer à se mouvoir. Et les jeunes jusqu'à 25 ans, parce que c'est sûrement, une tra pour nous, on considère que c'est une tranche d'âge qui va peut-être décider d'acheter une voiture. Et on doit... Ne, ne, en fait, les, 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 les accompagner pour leur dire non, non, mais regardez, prenez les transports publics, on vous aide, on vous subventionne, mais ne tombez pas dans ce piège de la voiture. Euh, vous pouvez vous mouvoir dans Lausanne aussi bien avec des transports publics qu'avec une voiture, donc utilisez les transports publics. Et c'est la première étape qu'on pense en tout cas faire euh, pour aller vers euh, peut-être ce report modal euh, voiture à euh, transport public. Et ensuite, on va évaluer, euh, évoluer dans notre euh, vision. Euh, accueillir les questions, les remarques des, des gens qui nous regardent ce soir dans une deuxième partie. Mais il y en a déjà une qui arrive pour vous et qui est directement en rapport avec ce sujet-là. Donc peut-être je, je vous la pose hein, puisqu'elle puisqu est là. Euh, vous, vous y avez d'ailleurs en partie répondu, Jonathan Chavan, euh, pour le Parti socialiste. Donc vous proposez dans votre programme un demi-tarif pour nos seniors. Pourquoi est-ce que ce n'est que pour les seniors et pourquoi pas juste rendre les euh, TP gratuits pour tous bah, C'est exactement comme je l'ai expliqué, je pense, euh, qu'on pense vraiment qu'il y a beaucoup... Plus plus d'impact à commencer là. Et puis aussi, on, voudrait, euh, on a imaginé qu'il y a eu un problème avec les villes qui ont euh, mis les transports publics gratuits. Ils ont eu un problème de surexploitation du réseau. Et, et là, on se dit, ben, proposons des choses pour justement des tranches qu'on peut imaginer aider au niveau économique et social. Et puis ensuite, pour ne pas non plus permettre, enfin, permettre au TL et à la ville de continuer de développer le réseau, ensuite, on pourra dans un second temps peut-être proposer les transports publics gratuits. Mais aujourd'hui, si demain on devait proposer les transports publics gratuits, pour nous, on est assez convaincus qu'il y aurait déjà un problème au niveau du réseau, surtout aux heures de pointe. Okay, on va regarder ça dans le détail tout à l'heure. Julien Schwab, pour le POP, quelle est le, la position de votre parti par rapport à cette question de la gratuité euh, Donc évidemment, nous, on est tout à fait pour, pour ce projet-là. On a une longue tradition qui remonte à... à Plusieurs années, voire euh, décennies de, de défense, justement, de cette euh, gratuité des, des transports publics. Et puis, nous, on, on essaie de voir ça, euh, de voir cette, cette chose pour ce qu'elle qu peut nous apporter. Il y a une initiative plus au, plus hein. au niveau cantonal, Au niveau cantonal, oui, qui sera euh, lancée, alors, avec euh, plusieurs camarades, je crois que Solidarité sera avec nous, les Jeunes Verts aussi, euh, et d'autres parties et organisations. Euh, ce sera, je pense, cet automne, par là autour, il me semble. Euh, donc, euh, nous, on essaye de voir justement euh, qu'est-ce que peut nous apporter cette, cette mesure. Euh, au niveau écologique, ça, je crois que c'est clair. Au niveau social, bah, c'est dans le titre. Mais aussi euh, au niveau économique, euh, que ce soit euh, autant euh, dans les régions périphériques que, que urbaines, c'est que d'un coup, vous libérez euh, ces fameux euh, 7 à 10 de de budget de transport euh, des familles et on sait qu'une une grosse partie de l'activité économique est portée par la consommation populaire. Euh, donc euh, je pense que, et on le voit notamment dans un, un certain nombre d'exemples, euh, les milieux euh, notamment du commerce de détail, mais aussi euh, les milieux touristiques euh, sont assez satisfaits des mesures qui ont été euh, introduites dans, justement dans certaines villes, notamment en France. Et euh, ce n'est pas, pas négligeable parce que, notamment pour des, des régions périphériques, on pense à la vallée de Joux, euh, d'un coup, coup, pour une famille, vous biffez 50 ou 100 francs de, de frais de transport en train. Et euh, c'est du coup une région qui devient immédiatement accessible euh, de, de manière douce en transport public et qui profite aussi directement aux, aux acteurs économiques locaux. Euh, donc voilà, ce le, sont les, les éléments que nous retenons. Oui, si le rejoignent les Popistes et Solidarité sur ce plan-là. Oui, pour la gratuité des transports publics, qu'elle soit, euh, que soit maintenant tout de suite, parce qu'on est aussi dans une situation de crise euh, sociale extrême, on a des jeunes qui n'ont plus de travail, on a des personnes précaires, enfin en Suisse on a 10% de précaires, mais on n'en parle pas, on n'a pas de pauvres en Suisse. Donc euh, c'est donc clair que les 6, euh, les 6 à 10% libérés euh, de l'argent des ménages, c'est très conséquent, mais aussi dans l'aspect peut-être comportemental qui a été abordé, euh, c'est clair, on, on peut faire un, un premier pas en donnant des subventions, etc. Mais dans l'aspect purement comportemental, le but c'est de faire changer les choses. Le fait de payer que ce soit 1 franc, 10 francs, 100 francs, c'est déjà une étape Étape psychologique importante et le but c'est d'arriver à un moment où, comme pour la voiture, on se dit j'ai la liberté de partir. Alors, après, ça pose d'autres questions hein, le maillage, l'horaire, la densité du réseau. Euh, mais c'est ça en fait qui est important que le transport public, c'est de penser que c'est un outil parmi d'autres mesures. Donc la piétonnalisation des centres-villes, euh, la fermeture des centres-villes aux, aux voitures à essence, comme l'a proposé la ville de Lausanne, et c'est mettre bout à bout ces solutions finalement pour que tout le monde ait la possibilité de de se déplacer en ville et je reviens à ce que je disais avant, hein. c'est pas uniquement prendre euh avoir des lignes qui finissent au flanc pour partir et aller à travailler de quelque part d'autre dans le canton, c'est de pouvoir relier la ville, relier les quartiers. Actuellement, on a des lignes de quartier dans les quartiers relativement euh, huppés de la ville, avec des petites lignes de quartier qui desservent avec un maillage relativement fin certains quartiers. On a d'autres quartiers qui sont totalement dépourvus. Alors, on a gentiment une politique de minibus. Voilà, il y a beaucoup de questions à, à, à rajouter de, de, de bout en bout, mais vraiment, je reviens au Covid. Un étudiant, maintenant, il paye son abonnement général, il paye son abonnement mobiliste, qu'il est 120 francs de la ville ou pas avec, ça reste cher. Et quand vous n'avez pas de travail à côté, ça reste encore plus cher. Et là-dedans, ce maintenant, et c'est comme, comme pour les vélos. On a la crise du Covid, on devait euh, trouver d'autres solutions, on a mis des pistes cyclables en bloc. On est dans une crise climatique et une crise sanitaire. Il faut faire des mesures drastiques et impressionnantes. Ça va être impressionnant de, 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 sur, la, sur le plan budgétaire, on va en parler aussi. Mais c'est clair, c'est un levier communal qu'on peut utiliser. Et c'est vrai qu'on se plaint toujours de, de manquer de, de levier d'action au niveau de la commune. Bah, ça, pour moi, c'est très concret. Et donc, je suis euh, amplement convaincu des transports publics gratuits. Oui. Jeunes maintenant vous aînés, les verts. José <laughs> Ibarra ne, ne partage pas tout à fait votre enthousiasme. Alors on rejoint beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Euh, mais c'est vrai que dans ce débat, il faut, à notre avis, vraiment bien faire la différence entre euh, l'aspect social, donc vraiment l'aspect d'accessibilité en transport pour euh, tout le monde, indépendamment du, du revenu. Et puis, l'aspect qu'on peut dire écologique ou d'efficience des transports où on veut vraiment le but final, c'est, il ne faut pas l'oublier, de minimiser le nombre de voitures. Donc, si je prends ce dernier élément, euh, à notre avis, euh, il faut se rendre compte que la voiture, c'est extrêmement cher. Donc, quelqu'un qui a une voiture paye déjà extrêmement cher pour sa voiture, pour ses déplacements en voiture. Et elle continue quand même à euh, bah, finalement choisir de la garder. Donc. C'est peut-être pas tellement l'aspect euh, de la cherté qui pousse cette personne à, à garder sa voiture, mais au contraire, euh, c'est l'aspect attractivité. Donc, il euh, faut se rendre compte que euh, quand moi, je, le matin, je, je dois partir au travail, je dois aller je me déplacer pour faire des loisirs, euh, je vais peut-être euh, prendre la décision est-ce que je prends ma voiture, mon vélo, le bus eh ben, Je vais décider par rapport à, tout à toute une série de, de critères. Euh, mais très, très souvent, finalement, le coût n'est pas l'aspect le, le plus important. Euh, on a vu, par exemple, quand on a ouvert le M2 à Lausanne, euh, on, dans l'espace de 2 ou 3 ans, euh, la, le nombre de, de personnes, le nombre de voyageurs d'ETL a augmenté de un quart en 2 ou 3 ans grâce à l'ouverture du M2. Donc, c'est vraiment tout d'un coup, le réseau lausannois, il est devenu beaucoup plus attractif, beaucoup plus efficace. Euh, et puis c'est ça finalement qui a fait augmenter le nombre d'utilisateurs et utilisatrices des transports publics. Donc nous, on voit difficilement, on pense que de manière inévitable, le fait de priver les tels, ou n'importe quel autre opérateur de transports publics d'une partie importante des revenus ne peut pas finalement aller dans le sens d'une augmentation de l'attractivité des transports publics et à terme euh, va péjorer malheureusement l'attractivité du transport public. Donc, c'est l'augmentation de l'offre qui fait que davantage de gens vont vers les transports publics, d'après vous, plus que la baisse du prix Exactement. Il faut mmh. vraiment que, toujours, lorsqu'on donne le choix à une personne entre voiture ou bus, vélo, il faut que l'autre, que l'alternative la, euh, l'emporte à la voiture. Après, je vous l'accorde, il y a l'aspect social et ça, c'est très important. Il y a une partie de la population pour qui les abonnements et les billets de transport public sont beaucoup trop chers. Et puis c'est là où on rejoint complètement les, les jeunes verts et vertes et puis vous tous. Euh, il, euh, nous, nous sommes pour la gratuité des transports publics pour certains, certains secteurs de la population de manière un peu plus ciblée, pour les jeunes, les apprentis, les étudiants et étudiantes. Certaines aussi peut-être personnes âgées AVS, AI. Donc là on est on est, est d'accord. On a aussi pensé parce qu'en plus c'est un sujet qui a été euh, débattu par euh, les Vert vaudois et Vervoordeois en 2020. Euh, on a aussi euh, évoqué le, les, les bons transports pour les familles parce que pour les familles c'est vrai que c'est souvent un moment clé dans la vie quand on, est, quand on a des enfants c'est peut-être là souvent qu'on s'achète une voiture parce que tout d'un coup on est, voilà, on a des enfants etc. Puis c'est là aussi on pense qu'il faut agir donc on serait peut-être même pour euh, euh, que l'État finalement ou la ville donne une aide euh, dans ces cas-là. Mais on ne pense pas que, que l'État ou la ville offre finalement l'abonnement de transport public à une personne qui gagne bien sa vie va aller finalement euh, vers une augmentation de, de la qualité de transport public. De route, voilà, donc, on dit euh, Francisca Maynard, je voudrais vous entendre euh, là-dessus. Donc euh, euh, José Ibarra disait que finalement, ce n'est pas le prix. Qui fait le choix du transport puisque la voiture est déjà extrêmement chère puis les gens continuent de l'utiliser massivement qu'est ce que vous répondez à ça bah, c'est vrai et puis euh, tu as utilisé le mot d'attractivité et j'aimerais peut-être y apporter une nuance j'ai pas l'impression que c'est l'attractivité parce que quand on regarde les bouchons qui à l'Ossane le matin et le soir euh, je, ne pense que y a, je pense qu'il y a très peu de personnes qui trouvent ça attractif d'être bouché non là-dedans enfin, je pense que c'est la simple nécessité et puis les familles c'est justement de ça qu'il faut parler parce que, euh, en fait, euh, la nécessité d'utiliser la voiture, elle est assez étroitement liée au fait de devoir faire beaucoup de déplacements euh, dans une journée qui vont un peu de gauche et de droite, un peu partout. Et ça, typiquement, c'est en lien avec le fait de cumuler un travail salarié, euh, des enfants à déposer, une grand-mère à. à à assister et puis ça souvent c'est des c'est mères de des qui assument tous ces travaux et puis qui se retrouvent coincées dans des voitures dans des bouchons et enfin sur la base de ma propre recherche en fait je peux dire qu'il y en a très peu qui trouvent ça attractif mais plutôt une charge à assumer et puis voilà, exactement. et puis, c'est clair que la gratuité des transports publics seule ne résoudra pas ce problème, mais elle peut y apporter euh, une petite euh, comment dire, euh, pierre à l'édifice déjà dans, dans le sens que euh, voilà, comme j'ai dit avant, euh, ça permet à des familles qui, qui du coup, ont une vo voiture, voilà, parce qu'il y a peut-être un membre de la famille qui, qui en a besoin, euh, vont peut-être pas l'utiliser à toutes les occasions parce que pour d'autres occasions, elles, ces familles peuvent utiliser les transports publics. Et puis l'autre fait, c'est enfin, toutes les catégories sociales euh, que vous mentionnez. Enfin, bien sûr, c'est des personnes euh, qui, qui ont euh, des faibles revenus, qui ont besoin euh, de subventions, etc. Mais justement, c'est pas des mères de famille qui travaillent. C'est très rarement ces personnes-là qui, qui bénéficieront. De la gratuité que vous proposez, en fait, c'est justement ces personnes-là qui vont tomber entre les mailles. Et puis, du coup, euh, c'est assez dommage parce que, on sait qui a, qui, a, qui a besoin en fait euh, d'avoir plus d'incitation et plus de facilité à utiliser des transports publics. Et c'est pas, enfin, euh, c'est aussi, c'est aussi toutes ces gens que vous mentionnez, mais c'est aussi des personnes qui, en fait, ont un travail salarié. Et puis, en fait, j'aimerais juste encore, euh, quand même revenir sur euh, l'axe écologique qui a été mentionné. Parce que dans les villes où la, transport, enfin, où la gratuité des transports publics elle existe déjà, euh, effectivement, il y a eu une petite augmentation de l'utilisation de euh, totale. Enfin, il y a eu une petite augmentation de la mobilité en titre général, tout cumulé, transport public, voiture, etc. Mais on a aussi observé que euh, parmi les nouvelles utilisatrices/utilisateurs des transports publics, il y avait des personnes qui avant se privaient de certains déplacements. Par euh, faute de pouvoir se les payer. Et puis en fait, être privé de mobilité, c'est d'être privé de plein de services et d'activités essentielles. C'est d'être privé, euh, c'est de rendre le trajet au travail plus cher, c'est de diminuer euh, le pouvoir d'achat. C'est aussi être privé d'accéder à des lieux de culture, d'éducation, etc. Donc en fait, euh, rendre la mobilité accessible et l'augmenter un petit peu, c'est une mesure sociale nécessaire. Et si on y parvient, par des mobilités euh, écologiques comme les transports publics, tant mieux. Parce que ce n'est pas juste les émissions carbone qu'il faut regarder, hein, mais qui les cause et pourquoi. Et une personne qui, qui va visiter euh, un lieu de culture ou d'éducation, franchement, euh, ça, ça doit être possible. Attends, je vous pouvez peut-être réagir à ce que disait euh, Francesca Meinhertz euh, au sujet du ciblage. Hein, à Lausanne, là, on propose la gratuité pour les personnes âgées, les étudiants. Elle dit, mais c'est les femmes actives qu'il faut aider. Non, mais c'est. Pas... Moi je, je l'entends, c'est vraiment très intéressant parce qu'on n'a jamais dit qu'on va proposer cas qu qu'aux qu personnes que j'ai citées avant, les moins de 20, les, plus, les moins de 25 ans, BSAI, les prestations complémentaires. Si on arrive, comme vous le dites, à, à, à nous donner une classe de personnes qu'on peut aider, c'est sûr qu'on va accepter de la mettre dans, le, dans, dans ces subventions puis de les aider. On ne on va pas, pas comme Nous, notre objectif final, c'est d'aider ceux qui, justement, ont un problème euh, au niveau financier avec ces, ces transports publics. Maintenant, c'est juste qu'on se dit, c'est la première étape qu'on veut proposer parce que pour nous, la solution, elle n'est pas de proposer la gratuité, comme je l'ai dit avant, demain. Mais, mais on va vers la gratuité, on veut la gratuité, nous sommes pour la gratuité, évidemment. Mais. Actuellement, nous avons ciblé des personnes dans un premier temps. Et puis, je pense qu'avant, M. Gartner disait qu'on ne propose rien de vraiment concret à la ville de Lausanne. Ben, disons que je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a un postulat qui a été déposé pour justement déjà ajouter ces personnes à la retraite. Donc, euh, Denis Corbeau a déposé ce postulat l'année passée, je crois. Donc ça va être pris en, en compte et, et on va subventionner ces gens. On va proposer le texte pour les moins de 25 ans, ça va être fait. La ville est, 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 est d'accord avec ça. Et puis, si on peut ajouter une catégorie de personnes qui souffrent, mais on va le faire, on va l'ajouter. Maintenant, mettre la gratuité totale actuellement, bah, c'est là où on dit, on est pour, mais on va attendre un moment. Ce n'est pas tout de suite maintenant qu'on doit le faire. On ne peut pas se permettre de... En plus, si vous le dites, de prendre toutes les personnes qui euh, veulent plus bouger. On ne peut pas se permettre de, 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 de surcharger le réseau. Julien, je crois que vous réagir. Alors, l'urgence climatique exige comme baisse euh, d'ici 2030 les émissions nettes à zéro. Donc, les premières étapes, c'est bon, mais il n'y a, a plus le temps, il faut les faire maintenant. Merci. Il <laughs> euh, y, a, y, a euh, euh, y a plusieurs sujets intéressants qui ont été évoqués, notamment par euh, euh, M. Ibarra, je crois, euh, euh, et qui touchaient euh, la question du financement. Euh, vous disiez justement que, euh, je ne suis plus sûr exactement, mais qu'il y aurait une, une limitation, voire une privation de, du financement. Bon, ça, je pense que c'est une, une question qui, euh, tôt ou tard, si on est autour de cette table tous d'accord pour la gratuité, à plus ou moins euh, long terme ou moyen terme, euh, il y a une question qui on, qu on pourra, à laquelle on ne pourra pas échapper, c'est la question justement du financement. Et en tout cas, euh, de, notre, de notre point de vue, on a des, on a des propositions à faire. Euh, et, et je pense que ces propositions ne consistent justement pas euh, à la limitation euh, des moyens des transports publics, mais juste une, à un report euh, du paiement sur d'autres acteurs. Euh, et puis on peut déjà, avec ces propositions, on peut déjà euh, d'ores et déjà dire qu'on euh, arrive à payer actuellement, donc on arrivera à payer euh, après, avec la gratuité. Alors justement, bah, venons, venons au cœur du sujet. Une dizaine de millions ouais. de revenus en instaurant la gratuité, si on le fait tout de suite. Euh, comment est-ce que ça se finance ça Bon, euh, Je disais en, en début d'intervention, euh, je disais que, enfin, au début du, du débat, euh, que déjà, nous, euh, au, au POP et, et aussi d'autres partis, on, on a plutôt une, une vue d'ensemble cantonale. Une, ouais, on, on préfère voir le, le, le canton au niveau de la gratuité. Euh, et puis. Euh, donc on peut déjà commencer par s'inspirer par de ce qui se fait à l'étranger avant de partir comme ça dans des idées peut-être un peu folles ou peut-être pas très bien réfléchies. Il y a deux modèles qui sont, qui sont utilisés actuellement. Il y a ce qu'on peut appeler le modèle Luxembourg qui consiste simplement à reporter 100% des, de la couverture des, des, billets, des billets de bus et de, de transport public sur le budget de l'État. Donc on le finance par les impôts, par le budget usuel. Alors c'est assez simple de le faire au, au Luxembourg, parce que comme tu le disais, avec 8% de couverture des billets, bah disons qu'il n'y a plus grand-chose à financer. C'est déjà largement financé par l'impôt. Euh, euh, en Suisse c'est 44%, donc on ne peut pas penser qu'on va euh, décemment comme ça tout reporter sur le budget, par exemple, du canton. Mais on peut certainement euh, en proposer une partie. On peut déjà commencer par dire que sur les 14 ou 15 dernières années, euh, grâce à une, une gestion absolument optimale, notamment du grand argentier M. Brouilly, euh, on a dégagé quand même euh, des excédents assez, euh, assez exceptionnels. Et puis, euh, alors il y, y a la vue peut-être un peu PLR, je m'excuse, euh, bon père de famille, euh, bonne gestion des deniers, prudente, etc. Euh, comme si c'était un ménage, mais on peut, on peut aussi considérer l'État... Euh, comme ce qu'il est, c'est-à-dire un, un État qui ne se gère justement pas comme une famille. Et donc, l'investissement euh, est important et, et nous permet euh, d'avoir euh, quelque chose, des, des, des infrastructures, derrière tout ça. Donc, 50 nous proposons, 50 de, du manque à gagner de Mobilis, euh, qui se monte environ à actuellement environ à 230 millions de francs. 50 euh, passe sur le budget de l'État, par exemple. Du canton, c'est une proposition qui est faite. On peut la discuter. Maintenant, il manque 50 Comment est-ce qu'on les finance Considérons déjà une chose qui est peut-être novatrice en Suisse, mais c'est que la, la plupart des déplacements sont induits, euh, notamment par les entreprises, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les loisirs. Et donc, on pourrait euh, considérer que les, les entreprises profitent d'infrastructures euh, routières euh, de transport, mais les financent euh, de manière euh, partielle pas assez importante de, de notre point de vue. La, la, la chose qu'on propose, ça s'appelle le, le versement euh, transport. C'est une autre, une autre solution qui est en application dans d'autres villes et qui consiste à imposer euh, les entreprises sur leurs bénéfices. D'après nos calculs, alors on pourra les discuter, je tiens les, nos calculs à disposition, ce serait une taxe à hauteur de 2%. De 2%. On peut aussi choisir sur qui, on la, sur qui on la met. On peut par exemple dire... À partir de 10 employés ou 15 employés, on pose cette taxe et selon les calculs qu'on a effectués, on retrouve ces autres 50%. Et ça, ça permet d'utiliser la richesse produite par les travailleurs, c'est notre petit côté POP, pour la redistribuer en pouvoir d'achat. Donc. Par une taxe sur les entreprises. Je me tourne vers Oleg Gaffner. Vous, vos solutions par rapport à ce financement Est-ce qu'une taxe sur les entreprises, déjà, d'une chose, c'est une bonne idée en pleine période Covid où, où les entreprises de la plupart des secteurs, on va dire, souffrent hein, quand même Et les sociétés de transport elles-mêmes sont, sont en déficit et en difficulté en ce moment. Est-ce que c'est vraiment le bon moment Alors On peut peut-être différencier, on peut refaire un débat sur l'impôt aussi, hein, mais, euh, mais à, à préciser quand même quand. En temps de crise quand même, on a des entreprises, des grandes entreprises, et n'en parle pas des TPE, on n'est pas des PME, euh, des grands groupes bancaires notamment, euh, avec trois lettres, hein, euh, qui font des bénéfices à milliards, qui les redistribuent aussi, euh, et qui existent toujours, la fortune existe toujours, qui d'ailleurs se profite encore de la crise pour, pour licencier des, du personnel. Donc la fortune, euh, elle existe, il a la pêché là où elle existe. Donc passer par l'impôt, et notamment par la taxation des, des grandes entreprises, ça c'est un levier d'action. Et puis ce que j'essaie encore peut-être de compléter, c'est le fait que... Parmi l'argent qu'on va évoquer aujourd'hui sur cette part de tickets euh, qu'on va devoir rembourser, euh, c'est une partie du, de la réflexion, mais aussi de la réflexion infrastructure. Les communes en débloquent régulièrement des budgets additionnels, le canton aussi, pour payer euh, des crédits. Et là-dessus, la péréquation communale est extrêmement importante. Je l'avais déjà rapidement évoqué. Hein. La ville de Lausanne supporte beaucoup des coûts. Euh, quand l'ETL acquiert une nouvelle partie de la flotte, Lausanne va payer euh, et débloquer la majeure partie du crédit alors qu'ils vont rouler à Renan, ils vont rouler à prix, ils vont rouler à Puy, alors que Puy a peut-être euh, un peu plus euh, d'argent dans les caisses que la ville de Lausanne. Donc c'est vraiment une réflexion. Plus, plus généralisé à porter et aussi typiquement euh, dans, 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 au, niveau, au niveau des, des sphères de l'État, de ce qui est parapublique, euh, la BCV, hein, qui redistribue une partie de ses, ses revenus aussi à l'État, mobiliser cet argent-là. Puis au niveau de la Confédération, qui paye une majeure partie du M3, qui va payer une grande partie aussi des, du tramway, mobiliser ses, ses, cet argent qui même en temps de crise persiste encore. Et là, je, je sais que c'est un peu facile comme argument, mais il y a la Banque nationale qui a, a toujours de, de beaux deniers à, à disposition. Et, et puis à nouveau, on est dans une crise climatique. Donc ce n'est pas non plus la question de... de où est-ce qu'on règle la virgule, mais c'est de savoir, d'arriver à faire l'étape de se dire, on est dans une, dans une mouise pas possible, et à ce moment-là, il va falloir débloquer concrètement de l'argent. Donc il y a les grandes banques, il y a les banques d'État, euh, et puis il y a l'impôt euh, encore comme, comme outil pour que ça puisse se faire de manière relativement égalitaire, et c'est bien le but. Voilà, on voit qu'il y a des, des pistes et des idées ici autour de la table pour euh, la financer, cette mesure. José Ibarra, on a bien compris que pour vous, ce n'était pas la panacée, cette gratuité des transports publics. Est-ce qu'on peut regarder un peu avec vous les autres pistes Comment est-ce qu'on fait pour que les gens lâchent enfin leur voiture alors, effectivement, je pense que euh, si on réussissait à créer toutes ces nouvelles entrées fiscales que vous proposez pour payer la gratuité totale des transports publics, euh, honnêtement, on pense qu'on pourrait utiliser ces recettes pour s'attaquer plutôt à la racine du problème, qui est finalement cette, euh, c est, c est, c est la distance qu'on doit parcourir dans tous les jours, l'étalement du territoire, etc., etc., pour faire en sorte que cette mère de famille... Que, que vous mettiez en exemple tout à l'heure. Finalement, c'est pas qu'elle trouve attractive la voiture, mais finalement, c'est son option, malheureusement, la moins pire, si on peut dire ça comme ça. Donc, on pourrait s'attaquer à ce genre, à, vraiment à la racine du problème, par exemple, en continuant avec la, la politique euh, qu'on mène à Lausanne, euh, surtout par exemple à la municipale de la chalice de vraiment rendre le logement plus accessible. Il ne faut pas oublier qu'un euh, facteur qui fait que. Les gens doivent voyager de longues distances. finalement aussi la cherté du logement. Donc, très souvent, des gens doivent aller vivre plus loin parce qu'ils ne peuvent pas trouver un logement abordable plus proche de leur travail. Euh, il faut aussi penser à des gens qui n'ont pas forcément un travail dans les services, qui doivent peut-être se lever à 4 heures du matin, puis qui n'ont pas forcément un bus à 5 h ou à 4 h et demie. Euh, donc, pour nous, de nouveau, on peut, on peut penser à des mesures plus efficaces ou utiliser cet argent, enfin, cette nouvelle entrées fiscale, plutôt que pour une gratuité totale. Même si, comme je disais avant, on est, on est d'accord sur la gratuité pour certains secteurs de la population. Donc c'est plus l'aspect urbaniste. Donc vraiment l'urbanisme, il faut s'attaquer à l'urbanisme, il faut, faut vraiment réfléchir et transformer le modèle de ville et le modèle de territoire en tenant compte de la mobilité pour finalement réduire la, le besoin de mobilité privilégie le vélo, la marche à pied, ce qu'on appelle la mobilité active. Exactement. Donc, tout d'abord, euh, la ville a les, la capacité d'être propriétaire de plus d'immeubles qu'ensuite elle va pouvoir mettre à disposition à, à, à loyer abordable. Ça, c'est déjà la première mesure. Mais effectivement, le vélo, c'est donc si on parle un peu des trois grandes, euh, trois grandes alternatives de mobilité, vélo, bus, enfin transport public et vélo. Le vélo reste quand même en Suisse. Le grand oublié, même si on en a beaucoup parlé en 2020, euh, on a une part modale du vélo à Lausanne de 2%. On a un objectif de 15% sauf erreur dans le plan climat. Euh, quand on voit les villes euh, au Danemark, aux Pays-Bas, ça va jusqu'à 40%. Ça, c'est le maximum qu'on pourrait imaginer. Certes, on a des pentes à Lausanne, mais les vélos électriques, les vélos électriques... Euh, aplatissent en quelque sorte le territoire. Et donc même si on ne va pas forcément, voilà, de manière réaliste, on ne va jamais peut-être avoir 40%, mais on peut, on peut très bien augmenter bien au-delà de 15%. Déjà, dans des villes suisses, on arrive déjà à ce genre d'ordre, Bern-Ball. Euh, donc il y a vraiment un énorme potentiel à jouer, pas seulement avec le vélo de manière isolée, mais surtout la combinaison vélo-train. Aux Pays-Bas, 40% des personnes qui utilisent le train arrivent à la gare en vélo. À, en Suisse, c'est marginal. Donc euh, très, très très, souvent, un, tra un trajet en transport public, finalement, le temps de trajet, donc on pense typiquement à Lausanne-Genève qui met 36 minutes, euh, le train met 36 minutes, finalement, le trajet, c'est une heure, parce qu'on doit arriver à la gare en bus, après, on doit prendre un autre train ou un autre bus à l'arrivée, alors que si on a si à disposition un vélo à l'origine et de à la destination, on diminue drastiquement ces temps et donc finalement on fait que beaucoup de personnes pour qui le trajet en transport public serait beaucoup trop lent et puis finalement utiliserait utiliser sa voiture, finalement cette alternative durable devient attractive, c'est là où j'utilise le mot attractive et pour nous là il y a encore un énorme potentiel. Puis ça, ça passe par les aménagements, par une transformation du modèle euh, de, 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 des aménagements routiers, même les nouveaux aménagements routiers ça reste encore très peu ambitieux nous, pour les verts et vertes, c'est vraiment une ambition de, 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 de transformer ce paradigme de, de, de mobilité. Aujourd'hui, quand on fait des nouveaux aménagements, on crée des routes, on met une petite bande cyclable, on a vu par exemple l'exemple du, du BHNS Puis pour nous ce n'est pas encore assez ambitieux. On va poursuivre sur cette question du vélo, mais je fais juste une petite parenthèse parce qu'on reçoit à nouveau des, des questions et des remarques. Donc je vais vous les livrer au fur et à mesure. C'est plus vivant comme ça. Et continuez bien sûr à nous, à nous en envoyer. Hein, on, est, on est aussi là pour ça, pour dialoguer avec vous. Bien que vous ne soyez pas là, malheureusement, euh, avec nous dans cette salle, on est content que vous nous écriviez. Alors c'est une petite pique là pour euh, Francesca. <laughs> Est-il bien heureux de prendre le Luxembourg, paradis fiscal notoire, comme modèle d'écologie Justement, il faut comparer des pommes avec des pommes, et là, je pense effectivement comparer le Luxembourg avec la Suisse, ça euh, se <laughs> Et puis d'ailleurs, euh, euh, mon camarade du POP l'a mentionné. Enfin, justement, on est en train de préparer cette initiative cantonale, donc Vaudoise, pour la gratuité des transports publics. Et en termes de population, et taille, et densité, euh, le Luxembourg, le pays de Luxembourg et le canton de Vaud sont assez comparables. Donc, en fait, aussi sur euh, ce niveau-là, les deux cas sont assez comparables. Suivante, les transports publics gratuits peuvent-ils être une mesure transitoire adéquate en direction d'un monde véritablement écologiquement soutenable et s'inscrivent-ils dans le concept de justice climatique Là, ça s'adresse à qui veut répondre Jonathan Chavane ou Julien Schwab, allez-y l'un après l'autre. Bon, vous répétez juste la question, pardon. Oui, volontiers. Les transports publics gratuits peuvent-ils être une mesure transitoire adéquate oui. en direction d'un monde véritablement écologiquement soutenable Et s'inscrivent-ils dans le contexte, dans le concept de justice climatique Oui. Euh, bon, oui, to totalement. Mais surtout, ce qu'on voit, alors il y a des approches différentes, c'est clair, c'est normal. On a des sensibilités différentes. Euh, mais ce qu'on voit surtout dans les, les différents développements, en particulier ce que M. Barras a, a, a dit, c'est que euh, la gratuité des transports publics implique quelque chose derrière. Euh, si on vise une augmentation drastique euh, du report modal, c'est-à-dire une utilisation accrue des transports, euh, des transports publics, ça ne pourra pas se faire sans investissement. Et puis, alors euh, nous, on s'attaque... Plus précisément à ce problème de la ou à cette à cette mesure de la de la gratuité, mais euh, je suis j'entends tout à fait les arguments euh, sur l'urbanisme sur la, la voilà l'organisation de, de, de nos villes. Donc euh, pour moi la question également on parlait peut-être justement de la, de la situation économique des des, des entreprises qui est un petit peu difficile, mmh. mais encore une fois pour moi l'investissement en particulier l'investissement productif dans le dans la vie réelle des gens, euh, on, on a aussi, c'est aussi une, une mesure qui est, euh, je dirais, écologiquement euh, non punitive, euh, qui permet de, de toucher le porte-monnaie des gens directement, leur offrir, euh, de, de toucher leur pouvoir d'achat et pas euh, de recourir au crédit ou à l'endettement, etc. Donc pour moi, ces, tout, tous ces éléments ne me font absolument pas peur et je dirais même que c'est euh, plutôt vertueux dans le sens où ça nous force à avoir une, une vue d'ensemble à long terme. Et c'est quelque chose qu'on a, on a besoin impérativement dans le cadre de la, de la lutte contre, le, contre le, le changement climatique. On ne va pas pouvoir euh, avancer euh, euh, en regardant le bout de nos chaussures. Il faut vraiment voir plus loin que ce que l'on voit. Et euh, donc, euh, oui, parfaitement. Jonathan Chavan, vous vouliez réagir Oui, ben, — Ça m'intéressait de réagir par rapport aussi à ce que Mme Meinhert m'a dit avant par rapport à cette urgence climatique. Elle m'a dit que... Enfin elle exprimait effectivement cette urgence climatique et que ça allait du coup la gratuité dans cette idée d'urgence. Alors je dis pas que je suis pas d'accord. C'est loin de là. Maintenant, c'est juste qu'il faut à il faut, il faut peu près mettre des années derrière cette urgence climatique, on nous demande toujours de plus en plus quand derrière cette urgence et cette zéro émission nette euh, de de, de l'atteindre la, de, de plus en plus vite. Donc on parlait d'abord de, de 2025, de 2030, 2025, c'est toujours de plus en plus vite. Et là, je, je pense que la, ce qu'on propose nous, ça s'inscrit aussi dans ce que la ville propose dans son plan climat, c'est-à-dire que ils vont en 2030 interdire, ils veulent faire interdire les euh, transport thermique euh, à euh, Lausanne. Donc pour nous, c'est clair qu'avec cette mesure-là, on peut intégrer le fait d'avoir une gratuité des transports publics, dans le sens où on ne peut pas priver les gens que de biens, on doit aussi pouvoir les accompagner et puis euh, leur apporter quelque chose. Donc pour nous, l'urgence, elle est là, c'est clair, mais 2030 nous semble quand même déjà demain. Donc l'urgence, c'est clair qu'en 2030, elle, elle, est, elle, est, elle est intégrée dans la définition de d'urgence. De, de, 2025, c'est trop tôt, c'est juste peut-être ça. Et puis, pour revenir aussi sur ces émissions de gaz à effet de serre, si on parle justement de cette urgence climatique, pour nous, le, ce qui est primordial et ça rejoint ce que M. Ibarra disait, c'est d'autres moyens de s'attaquer à ces problèmes de mobilité liés à l'urgence climatique. Typiquement les logements. Les gens ne peuvent plus se permettre de payer un logement ici à Lausanne, ça devient trop cher. Ils peuvent plus aller dans la ceinture de Lausanne, dans les zones foraines. Ils doivent aller en, parce que c'est encore plus cher qu'au centre-ville au final. Et puis du coup ils doivent aller encore plus loin et donc ils doivent atteindre des villages qui sont même plus desservis et utiliser la voiture. Et donc c'est ça aussi le problème et c'est là aussi qu'on peut gérer ces problèmes climatiques, c'est jouer sur le logement. Et ça, on, le, on essaie de le faire, on veut aller dans ce sens-là. Les crèches, pareil. L'autre jour, je discutais encore avec un monsieur qui doit quitter Lausanne parce qu'il n'a pas trouvé de place de crèche. Il doit aller dans un village à côté de Lausanne pour trouver une place de crèche parce qu'il ne peut pas se permettre financièrement de quitter son travail. Et du coup, c'est tous des points là où on peut agir et puis qu'on peut agir en parallèle. Et puis, c'est pour ça qu'on se dit, les transports publics gratuits actuellement, ce n'est peut-être peut pas la mesure euh, de demain. Mais celle d'après-demain et après-demain, c'est 2030. Après-demain pour 2030, c'est déjà demain pour certains. Donc voilà, il y a aussi tout un aspect relatif à savoir comment on fixe les choses dans le temps. Cette idée développée par José Ibarra de, de mettre davantage de vélos à disposition, peut-être aussi davantage de voies cyclables, de développer cet axe vélo en plus de l'axe transport en commun, notamment en mettant des vélos à disposition dans les gares de chaque ville, euh, bon, c'est quelque chose qui existe déjà en partie, mais qui n'est peut-être pas suffisamment développé, suffisamment facile et accessible. Euh, ça, c'est quelque chose qui vous paraît intéressant. Bah, c'est tout à fait intéressant et puis ça va aussi dans l'optique de ce qu'on qu propose aussi déjà, parce que bah, il me semble que... C'était il y a un mois ou deux, on a augmenté euh, le budget pour euh, subventionner l'achat de vélos électriques. Il y a six mois, je crois, on a, on a augmenté le budget pour subventionner l'achat de vélos. Donc on est dans cette optique aussi. C'est clair qu'il y a tellement de points à agir, euh, sur lesquels euh, agir. Tous sont bons à prendre quand on peut im imaginer euh, diminuer les gaz à effet de serre. Maintenant, c'est sûr qu'actuellement, il y en a peut-être qui sont un petit peu plus... Euh, qui vont nous permettre plus rapidement euh, d'atteindre certains objectifs que d'autres. Et puis, ben, c'est comme tout, des fois, il faut quand même se fixer certains, certaines limites quand même, même si on ne peut pas fixer de limites à l'urgence climatique. Ça, on est tous d'accord. Donc, il n'y a pas de limite à l'urgence climatique. Francisca Meinhardt, est-ce que le vélo électrique est un moyen d'aplatir les villes et, et la panacée pour euh, régler les problèmes climatiques Alors, très clairement, et puis, je tiens aussi à souligner, je suis d'accord avec toutes les mesures qu'on entend ici, je ne suis pas d'accord avec le constat qu'il faut choisir entre ces euh, mesures. Et puis, ça, je pense, euh, avec Ensemble à gauche, c'est un peu la, la grande différence euh, qu'on a euh, avec peut-être les autres forces politiques qui sont ici présentes. Parce que, en fait, pour nous, ce n'est pas soit la gratuité des transports publics, soit les vélos électriques, soit des vraies infrastructures cyclables. Donc, voilà, pas une bonne jaune où à côté ça roule à 8 ans. On est, est d'accord que ce n'est pas agréable. Euh, et puis, en fait, euh, nous, on est convaincus que c'est faisable. Parce que, voilà, euh, mon camarade, il a. Il a énoncé les outils fiscaux pour le financement, mais aussi des importantes économies une fois que la gratuité des transports publics est instaurée. C'est d'un côté la santé, euh, les voitures, euh, ça, ça a un énorme coût de santé en fait. Les transports euh, motorisés individuels, c'est responsable de 71% euh, des coûts liés à la santé et à la pollution de l'environnement, donc pas les, les gaz euh, à effet de serre, mais toutes les autres, enfin la, la, la pollution atmosphérique, etc. Donc en fait là il y a des énormes euh, économies à faire pour euh, pour le public et puis euh, actuellement euh, ces coûts sont portés par nous toutes et tous donc là il y a des épargnés à faire euh, puis aussi euh, donc voilà, aussi au niveau euh, du logement, fin, évidemment, fin, ce que a dit euh, José euh, Verse c'est juste, il y a, y, a y a un souci sur la densification mm -hmm. des villes, mais fin, voilà, fin, quand on regarde ce que fait la municipalité, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout assez. Euh, la ville de Lausanne, un tiers du parc locataire qu'elle possède actuellement est loué au prix du marché. À Lausanne, sévissent les loyers abusifs, donc le prix du marché, il est en moyenne 40% au-dessus euh, de ce que devrait être le loyer. Donc, enfin, Franchement, déjà que la ville de Lausanne se tâche à mettre les 100% son, de son parc locataire à des prix de loyer abordables, enfin, on gagnerait beaucoup. Oh. Et puis autrement, enfin aussi, oui, le tram il est super, mais il a fallu cinq ans de mobilisation pour que ce tram il se fasse pas en de la forêt du flon. Je suis désolée, mais je sais, là il, soudainement il y a une solution, on peut avoir à la fois la forêt et le tram. Je sais, la ville de Lausanne elle est complètement à la rue. Je suis désolée, mais euh, vraiment il n'y a pas il y a pas à mettre ces mesures ces mesures en compétition. Mm -hmm. Il y a vraiment, on peut tout avoir, on peut franchement on peut se déplacer de manière Rapide, efficace, agréable et abordable. C'est possible, c'est pas compliqué et c'est possible assez dans l'immédiat. Les villes euh, Dunkerque, Aubonne, l'état de Luxembourg ont fait ça rapidement, ça n'a pas créé des problèmes, ça a créé plein de bénéfices. Donc pourquoi attendre, pourquoi, ne, pourquoi nous, ne pas nous offrir en fait cette chose qui est tout à fait bien une, gardez, gardez votre micro, mais je reçois une question pour vous, Francesca Meinhertz. Est-ce que d'un point de vue climatique, la gratuité est suffisante pour réduire à zéro les émissions issues de la mobilité d'ici à 2030 Sinon, quelles autres mesures seraient nécessaires Alors, à elle seule, elle n'est clairement pas suffisante. Euh, il faut effectivement d'autres mesures. Donc, je parlais du logement. Donc voilà, il faut offrir davantage de logements abordables dans les centres-villes. Et puis, je parlais aussi avant euh, de la répartition inégale euh, des tâches liées aux soins, donc euh, prise en charge des enfants, etc., dans les familles. Euh, il faut des mesures au niveau national telles qu'un congé par euh, parental digne de ce nom. Donc, euh, ça, pour éviter aux gens de trop se déplacer, c'est ça en fait. Oui, donc ouais. euh, parce que face à aussi, il y a de nombreuses études qui montrent que ça, en fait les répartitions inégales euh, du travail au sein des familles, ça commence, euh, comme l'a dit euh, le camarade des au moment souvent de la naissance de l'enfant. Et c'est lié. En fait, un congé parental équilibré entre les parents permet assez bien d'y remédier. Donc voilà, ça, c'est des mesures qui ne sont pas euh, du ressort de la politique de mobilité, mais qui sont nécessaires pour euh, réduire à zéro les émissions. Okay, merci beaucoup, José Ibarra, Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Plusieurs points qui ont été expliqués, auxquels j'aimerais répondre, par rapport au, au fait de devoir choisir finalement entre gratuité ou bien toutes les autres mesures. Je pense que bien sûr, on pourrait tout avoir, mais on est quand même. Euh, il faut quand même être capable de, 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 de faire une analyse un peu plus fine. Donc, quand on dit que euh, la mobilité finalement, les transports publics ça a un coût pour la collectivité, je pense que on, le but. Le premier but doit quand même être de pouvoir en tout cas garder les prix actuels et éviter des augmentations de prix pour les utilisateurs et les utilisatrices lorsqu'on aura amélioré ce réseau de transport public. Parce que ça ne sert à rien de instaurer une gratuité pour finalement euh, voir un réseau de transport public qui finalement ne va pas tellement s'améliorer d'ici 10-20 ans euh, ou finalement bah, une partie des utilisateurs et utilisatrices vont se tourner vers la voiture parce que ça sera beaucoup moins attractif pour nous c'est important d'utiliser de vraiment s'assurer que les, les prix des abonnements et des billets baissent ou en tout cas, en tout cas bah, augmentent pas beaucoup euh, ça c'est la première chose euh, et puis la deuxième c'est vraiment de The, the... vraiment de prendre l'aspect, si on peut dire, un peu plus pragmatique, ou en tout cas plus local. À Lausanne, il faut se rendre compte, les TEL, c'est une société où, où participe le canton, la commune de Lausanne, mais aussi plein d'autres communes autour. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, à Podé, avec le BHNS, où c'est plutôt au niveau de la commune que ça a bloqué. Aussi à Réna, il y a eu un, un cas un peu similaire. Donc, franchement, le fait que les TEL, les TL qui ont, euh, je pense que la, le taux de couverture, il est de 38%, 40%, parce que... Euh, Madame heinz disait tout à l'heure. Donc le fait que l'ETEL, demain, euh, n'ait plus ce pouvoir de négociation de dire nous, on génère chaque année euh, tant de, de millions, euh, de manière inévitable, ça ne peut pas aider à ce que l'ETEL puisse euh, euh, continuer avec euh, une augmentation euh, de l'offre comme ce qu'on a vu ces dernières années. Il faut, il faut voir que l'ETEL emploie 1600 personnes et ça augmente chaque année. Donc finalement... C'est à ce genre de mesures que ça se joue. Donc euh, c'est bien d'avoir... Euh, ça peut effectivement euh, sembler une bonne idée, mais quand on réfléchit à la, à vraiment à l'aspect pratique et à la faisabilité, ça irait malheureusement en, 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 enfin, vers une situation qui serait beaucoup euh, moins souhaitable. Une question qui s'adresse à Jonathan chavan puis après tout de suite, après je vous donne la parole, Julien Chouab. J'aimerais bien savoir comment le PS s'amuserait à déterminer les classes de personnes susceptibles d'être subventionnées ou pas, entre les personnes au chômage, à l'AVS, à l'AI, aux études, les indépendants qui galèrent encore plus avec la Covid, les mères de famille, les bas revenus, etc. Plutôt que de faire des calculs d'épicier, pourquoi pas la gratuité pour tout le monde et ça ferait moins de travail administratif. Alors, bah, je le répète déjà, la gratuité, on y est pour, comme je l'ai dit, peut-être dans un second temps, mais plus tard. Plus tard ne veut pas dire non plus 2050. Euh, ensuite au niveau des, des classes qu'on a choisi à mettre par exemple dans notre programme ou des propositions qu'on a déjà faites. C'est les plus on a on va augmenter les gens de moins de 25 ans. Donc euh, subventionnement des, des abonnements pour les gens, les jeunes de moins de 25 ans. Disons que c'est assez facile euh, pour la ville de Lausanne de savoir qui a moins de 25 ans dans sa ville. Jusque là je pense qu'on est bon. Ensuite, pour les personnes qui sont à la retraite, pareil, je pense qu'on peut assez facilement savoir qui euh, est à la retraite aujourd'hui. Et puis les personnes qui euh, bénéficient de prestations complémentaires à pareil, on sait ça. Si j'ai dit avant par rapport aux mères de famille mon exemple, c'était par rapport à la réflexion de Mme Meinhertz qui disait qu on sait aujourd'hui qu'on peut quantifier et puis savoir qui euh, sont ces mères de famille et puis qu'on peut déterminer... Euh, Comment au final euh, pouvoir les, les les mettre dans une de ces classes comme vous voulez faire Et puis du coup, je me suis dit bah, si on est capable de faire ça, alors oui, faisons-le. Maintenant, j'ai pas dit que je proposais une solution pour savoir comment faire pour mettre ces mères de famille dans une classe particulière, des classes qu'on a proposées euh, dernièrement. Ça a fini, Julien. Oui, alors je voulais juste encore réagir très rapidement à, à quelque chose que vous aviez dit, mais c'est plutôt une, une question peut-être de, de... Pas, pas d'idéologie, je vais pas en mot, mais peut-être euh, façon de voir les, les, les choses dans la vie de manière générale. Vous aviez l'air de dire que euh, parfois, euh, voilà, on a envie de beaucoup de choses, mais que derrière ça, ne suit pas forcément. Où on arrive dans une situa situation qui est peut-être euh, moins souhaitable. Euh, moi, je crois, et c'est un petit peu la vision que j'essaie de, de défendre ce soir, c'est de voir cette, cette mesure de, de manière positive pour euh, ce que ça nous apporte, ce qu'on, ce qu'on a. Euh, une fois que les, les acquis euh, qu'on a une fois qu'on investit euh, et puis surtout aussi se dire que euh, parfois l'être humain a besoin d'avoir un cap pour pouvoir euh, se lancer dans de, dans de grands travaux et puis euh, en particulier en Suisse on a un petit peu parfois cette mentalité euh, bah, on, on y va gentiment on essaie de convaincre jusqu'à la dernière personne au fond de la salle hein, mais ça a comme désavantage euh, de, de parfois de, de progresser euh, petit à petit un rythme qui n'est pas souhaitable. Et donc moi, je, je pense vraiment que parfois, euh, un, un bon coup de fouet euh, permet vraiment de, de mettre le train sur les rails et okay, puis euh, de avoir... lancer de grands projets. <laughs> Gaffner, en, en termes de solutions euh, alternatives, justement, euh, en plus ou à côté euh, de, ce, de cette gratuité des transports publics que vous appelez de vos voeux, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quelle serait la priorité pour les jeunes verts au niveau communal, je pensais vraiment réinscrire cette question de la gratuité dans, dans un concept de mobilité globale. On l'a on dit, les villes elles sont construites pour la voiture, autour de la voiture. Imaginez un seul instant le centre-ville de Lausanne sans voiture, l'efficacité augmentée trans, de, de transport public. Bien sûr, ça signifie plus d'infrastructures, une plus grande flotte, des, cas, des, des cadences supérieures. Mais si on donne la possibilité toutes les cinq minutes de traverser la ville entre les différents points névralgiques, en fait, on augmente clairement la capacité. Et puis, si c'est gratuit, d'ailleurs, tout le monde peut se déplacer partout. Et d'ailleurs, c'est le, le droit inconditionnel de pouvoir, de, de pouvoir se mouvoir. Donc, c'est ça l'objectif. Et puis, après, si on voit plus loin, c'est aussi les, les parkings. Actuellement, c'est à Lausanne, on est une de ces villes qui a une gestion totalement privatisée de ses parkings, alors que la majorité de partie des villes euh, ont on, on la main là-dessus, permettent d'avoir un, un levier d'action, dire là c'est plus, là c'est moins, là c'est trop. À Lausanne, on a encore des parkings privés. Donc, là, on a le droit de préemption qui peut aussi nous servir. C'est vraiment l'inscrire de manière globale. Et puis, quand on parle des grands projets, alors moi je le rejoins, notamment ce qu'a dit Francisca sur le tram ça a pris 5 ans, puis encore tu as été gentil en disant 5 ans et puis le problème c'est que quand on arrive avec la proposition, ok là on va construire un tram, on, va, on est en train de lancer tous les, pro, euh, tout, tous les projets d'ingénierie qui vont avec pourquoi est-ce qu'on pense pas déjà à, au tram de, qui, qui continue pourquoi est-ce qu'on pense pas à intégrer euh, ces autres quartiers qu'on on sait qu'ils vont sortir de terre, pourquoi est-ce qu'on regarde pas ces quartiers qui sont déjà actuellement trop peu desservis pour les intégrer à des réflexions, actuellement on se bat et c'est clair, c'est une logique politique se dire on va se battre pour ce M3 puis après on regarde ce qu'on va faire après. Le problème, c'est que ça, actuellement, ça ne va pas si on essaie de répondre à la. de permettre de rendre à toutes les Lausanoises, à tous les Donats, un accès à un transport raisonnable. Et c'est vraiment cette réflexion step by step qui, là, du coup, est faussée si on veut précisément répondre à l'urgence. Et là, je rejoins aussi ce qu'a dit Francisca l'urgence, ce n'est pas 2025 ou 2030 ou quelque chose qu'on planifie. Et je sais que ça fait peur. Mais. C'est ce moment-là qu'on va faire et c'est ce qui fait toujours peur dans, dans, dans l'action. Et euh, voilà, Les solutions, elles existent, elles sont très concrètes. On, on a le levier de l'impôt, on a le levier actuellement de la bourse communale. Alors c'est clair, il va falloir accepter de l'intégrer dans un budget. Euh, ça fait peut-être peur, moi je n'ai pas peur de ça. Continue. vos remarques euh, aux, aux cinq invités qui sont ici autour de la table euh, ce soir. Euh, on, on reçoit quelque chose, là je, je, je vous laisse euh, réagir euh, euh, suivant ce que, ce que vous inspire cette question. Peut-on financer les transports publics gratuits avec un péage urbain C'est vrai que ça c'est une piste dont on n'a pas parlé ce soir. Francisca Meinhertz. Je... Ou Julien Schwab, <laughs> ou les deux successives. <laughs> <laughs> Ils ont un micro pour je deux, alors voilà, il ne faut pas qu'ils se battent. <laughs> Alors, euh, les péages, je crois que c'est une mesure fin, qui fin, elle existe aussi euh, dans différentes villes, pas en Suisse, mais dans d'autres pays européens. C'est une mesure dont on parle de plus en plus. Il y a, il y a différentes mesures de péages qui existent. Enfin, j'explique vite fait pour les personnes qui seraient pas très au courant. Il y a des péages qui existent, qui, où il y a des péages pour entrer dans des villes, donc peu importe quand. Puis il y a des péages par tranche horaire, que à, aux heures de pointe, par exemple, certaines routes, coûte un pH et puis en dehors des heures de pointe, elles ne coûtent rien. L'idée de enfin, des premiers types de péage, c'est de juste réduire le nombre de voitures dans les villes. L'idée du deuxième type de péage, c'est de mieux étaler euh, les voitures euh, sur la journée afin d'éviter des, des, des embouteillages. Et je pense, euh, par rapport à la deuxième mesure, enfin, déjà de 1, en termes écologiques, ça ne fait zéro différence. Dans le sens, si une voiture elle, elle roule à 9 heures ou si une voiture elle roule à 8 heures, elle, elle roule. Donc là, clairement, oui, elle roule peut-être plus vite, mais elle roule. Et puis. Euh, donc écologiquement, ce deuxième type de péage n'a pas de sens. La seule chose que ça fait, c'est de pénaliser des personnes qui ont des horreurs de travail, qu'elles ne choisissent pas et qui n'ont tout simplement pas le choix que de payer ce péage et tout de même être coincé dans le bouchon, tout de même émettre du CO2. Donc ce deuxième type de péage, je pense, on peut être d'accord, euh, non. Puis, le Premier type de péage, donc euh, rendre plus cher l'accès au centre-ville. Ça paraît assez bien, mais en fait... On pourrait commencer ailleurs. Parce qu'actuellement, si vous arrivez euh, en périphérie de Lausanne et vous voudriez bien laisser votre voiture là, parce que vous savez que le centre-ville de Lausanne, ça roule pas extrêmement bien toutes les heures, bah, les P plus R, franchement, euh, vous, laissez pas, ne, vous laissez non seulement votre voiture là, mais aussi une bonne partie de votre argent. Donc, déjà, en rendant moins cher les P plus en fait, ce serait en quelque sorte de. En fait, ça fait le même effet qu'un péage pour entrer dans le centre-ville, mais sans pénaliser les gens. En fait, c'est juste leur permettre en fait, de laisser leur voiture dehors. Parce que, de nouveau, est-ce que c'est attractif de rouler en centre-ville La plupart du temps, non. Donc, en fait, euh, voilà. Il, à mon avis, euh, les péages, ça paraît intuitif euh, au premier euh, réflexe, mais il y a bien plus d'autres mesures plus efficaces, plus sociales, euh, qui, qui ont le même effet écologique. Julien Schwab vous vouliez réagir aussi par rapport à cette remarque concernant le, les péages. Oui, alors elle a, elle, elle a déjà bien, bien répondu sur, sur le sujet, et ce que j'aimerais ajouter, euh, au POP, on est, on est toujours un petit peu gêné avec des, des, des méthodes écologistes qu qui pour nous sont punitives d'une certaine manière. Euh, pour nous, la, les, les péages, euh, ça ressemble un petit peu à la taxe sur l'essence, où finalement ça concerne quand même tout le monde de manière indifférente et ça va clairement toucher de manière plus, plus importante les, les plus bas revenus. Et puis on a vu en France avec les Gilets jaunes bah que c'était une mesure qui, qui pouvait être assez dévastatrice. Et on, va, on voit bien que, que pour des, des, des petites choses, on pourrait citer aussi la, la Révolution chilienne où c'est parti d'une petite augmentation sur le ticket de métro. Et ça a embrasé un, un pays tout entier qui est en train de redéfinir leur constitution <laughs> pour, un, un, pour, un, pour un ticket de métro. Donc, euh, pourquoi pas, mais c'est clair que, ben, comme, comme elle disait, euh, clairement, c'est des mesures qui, qui, qui doivent venir plus tard et, et, et qu'on qu ne préconise pas, qui ne sont pas parmi nos favorites, disons. Alors cette mesure inspire les, les participants à la table ronde, puisque collègue Gaffner et Jonathan Chavan voulaient réagir également. Je suppose que José Ibarra également ensuite. Euh, disons que pour aller, pour aller encore plus loin, et là vraiment géographiquement plus loin, en fait je crois qu'on ne règle pas le problème. Parce qu'on peut, peut construire des gigantesques P +R à l'entrée des villes, mais si c'est pour que les personnes apprennent des poids dans des véhicules motorisés individuels dans la campagne, c'est qu'on a loupé le, loupé le coche. Donc je pense qu'au niveau des financements, on l'a un peu développé avant. Il y a d'autres alternatives. Et puis un des enjeux en termes de réseau de transport public, c'est précisément de désenclaver la campagne et puis, et puis de ne bah, pas déplacer le problème de la question des logements, c'est-à-dire euh, d'avoir des pays plus cher, super chers, que les gens doivent habiter extrêmement loin dans le gros de Vaud. Et puis finalement, euh, on déplace clairement le problème. Euh, et puis peut-être c'est même se dédouaner, <laughs> et puis avoir des villes où on peut rajouter 2-3 arbres à la place d'une piste, euh, et puis laisser le problème à, à, en dehors des villes où d'ailleurs il y a peut-être un, peu euh, un peu moins de population aisée qui, qui les voit. Donc voilà, moi je pense qu'on on, on loupe un peu l'objectif finalement euh, en, en se focalisant sur cette question du péage. Fausse bonne idée à nouveau. Je, je n'attends. Mais du coup, je crois qu'on sera tous d'accord peut-être pour cette décision. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est assez simple. Mais on va pas mettre un péage si on veut enlever les voitures de la ville. Donc, il n'y a, a pas d'intérêt d'investir dans, dans une, de chercher une solution. Parce que c'est pas non plus simple de mettre un péage urbain en place. On va investir dans une solution pour mettre les de la ville. Donc, à ce niveau-là, effectivement, c'est une solution un peu fausse bonne idée, comme vous l'avez dit. Les, notre rêve, c'est vraiment d'avoir un, un centre-ville sans voiture. Euh, donc, euh, c'est surprenant de, enfin de, de, de vraiment de réfléchir à cette idée de péage urbain, même si effectivement, c'est une mesure qui pourrait réduire le nombre de voitures en ville, mais ce n'est pas vraiment l'objectif final, euh, d'autant plus dans une discussion sur la gratuité des transports, pourquoi on serait plus pour un péage urbain et, et pas pour un péage, entre guillemets, pour les transports publics. Euh, donc, euh, finalement, ce type de péage s'appliquerait aux personnes qui n'habitent pas à Lausanne, donc euh, aux communes de, 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 qui sont en ville, enfin, aux alentours de Lausanne. Euh, et, et puis là, de nouveau, euh, quand on pense par exemple aux, aux recettes de telles de 80 millions de francs en 2019, avant le Covid en tout cas, euh, c'est pas. C'est en partie grâce à ça qu'ils peuvent proposer, par exemple, la ligne, la ligne 60, par exemple, qui va au Mont-sur-Lausanne, qui permet à bah, finalement des personnes qui habitent dans une commune où on peut euh, plus difficilement vivre sans voiture, où c'est un peu plus pénible, de, de s'en passer. Parce que grâce à cette nouvelle ligne, c'est une ligne qui, va, qui, qui, qui est directe entre le Mont et le, le flanc pour pouvoir connecter avec le train, etc. Puis c'est vraiment ce genre de mesures qui va finalement avoir un effet net sur la baisse, la, 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 la diminution des de déplacements des de, de, de voitures en ville finalement. Et là malheureusement, inévitablement, même si on voudrait bien, mais inévitablement ce n'est pas tellement une, une, une baisse des recettes des de telles ou bien une, une baisse du, du pouvoir finalement d'autonomie et de, de, de tels qu'on que, qu va arriver à cette situation. Voilà, pour cette question du péage urbain, une autre question dans quelle mesure la gratuité des transports publics et la densification des réseaux permettra-t-elle concrètement de connecter les populations les plus précaires au centre du pouvoir Alors là, on vient dans des enjeux qui dépassent presque la mobilité, avec ses conséquences politiques en tout cas. Et y a-t-il des mesures d'accompagnement concrètes Qui est inspiré par cette question ou cette remarque Sur Francisca Ouais, alors c'est effectivement euh, une question très pertinente et euh, on a peu de données, mais on a quelques données. Donc, de nouveau, euh, sur euh, Luxembourg, <laughs> voilà, non, mais c'est un cas très intéressant parce qu'en plus, il y a eu vraiment un suivi euh, scientifique assez étroit euh, depuis l'instauration de la gratuité des transports publics. Et puis là, effectivement. Euh il y a eu un sondage effectué euh, parmi les commerçants de commerçants du centre-ville euh, de la ville de Luxembourg, euh, qui ont constaté qu'il y avait, euh, depuis la gratuité des transports, des nouvelles euh, segments de clientèle qui arrivaient que avant euh, était pas du tout là, notamment des personnes plus la périphérie. Donc, euh, disons que les trajets entre la périphérie et, et le centre euh, du pays de Luxembourg, qui est le centre-ville de Luxembourg, ont été facilités. Euh, et puis euh, voilà, enfin. Dans ce sens-là, oui, il y a une certaine tendance, et puis je le mentionnais avant, aussi euh, ce qu'on a pu observer, euh, c'est que justement la gratuité des transports publics permettait à des personnes qui, avant, devaient se priver de certaines, euh, certains déplacements par manque de moyens, d'effectuer ces déplacements. Et puis là, de nouveau, on parle euh, de la mobilité comme un service essentiel pour pouvoir accéder à d'autres services essentiels. Et aussi dans ce sens-là, que ce soit pour participer dans la vie politique. Pour participer à d'autres activités sociales, euh, bah, c'est juste, c'est un droit fondamental. La participation dans ces choses-là, c'est un droit fondamental et le, et le coût de la mobilité ne peut pas être une entrave à ce droit fondamental. Voilà, pour les, pour les aspects sociaux, hein, de ces, ces conséquences autour des enjeux de la mobilité, on voit que ça va chercher loin, c'est intéressant. Jonathan Chavannes, vous vouliez réagir oui. Il y par rapport à cette question qui est intéressante, effectivement. Euh, beaucoup de choses ont été bien dites par euh, Mme Meinhertz. Maintenant, ce que je pourrais aussi ajouter, c'est euh, dans cette idée, alors peut-être pas de gratuité, mais de développement du réseau, il ne faut pas oublier que permettre aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller euh, faire des loisirs parce qu'ils n'ont pas forcément une voiture, eh ben, ça va passer aussi par le développement du réseau leur permettre d'aller euh, rien que euh, faire du bob, peut-être. Euh, euh, dans la vallée de Joux, euh, peut-être au lieu d'aller euh, s'entasser euh, dans les Hauts-de-Lausanne, euh, le développement du réseau va permettre à toutes ces euh, tranches de personnes aussi de pouvoir avoir accès à des choses qui n'ont pas forcément accès. Je connais des personnes qui ne sont jamais vraiment sorties de Lausanne pour une activité parce qu'ils ben, euh, n'ont pas de voiture déjà et puis en plus ils ne vont pas prendre le temps d'aller euh, euh, et forcément euh, les accès pour aller euh, loin, avoir euh, accès à une activité sociale. Et donc pour les loisirs, pour que tout le monde soit à égalité au niveau des loisirs, parce qu'actuellement, c'est que les personnes qui ont vraiment les moyens qui peuvent se permettre d'aller faire ces loisirs euh, à l'extérieur. Gardez le micro, une petite pierre dans le jardin du PS. Et vous, au PS, pourquoi si peu a été fait euh, pour le vélo depuis 30 ans à Lausanne, alors que les socialistes et apparentés sont au pouvoir depuis 30 ans Oui, c'est bien. <laughs> Disons que je peux vous dire ce qui a été fait, parce qu'au euh, niveau du... du, du... Euh, grâce au Covid, au final, on a pu essayer des choses. On a pu essayer de mettre, je crois, 8 km de pistes cyclables. Donc ça a été fait. Toutes ces questions euh, de développement des, des axes forts euh, à la ville ont été faites. C'est clair que euh, développer... Alors, il <laughs> y a cette question, pourquoi ça a pris 5 ans Pourquoi pas peut-être même plus, c'est pourquoi c'est pas aller plus vite, mais développer un tram, on ne peut pas le développer comme ça. Il n'y a pas que la question de savoir si on veut dé euh, déforester une forêt, il y a toute la question des autres oppositions qu'il faut d'abord lever. Et, et mal en Suisse, euh, tout le monde a le droit à s'opposer, et du coup, tout prend du temps, euh, souvent au niveau juridique, et du coup, c'est sûr que ça ralentit aussi euh, le développement de, de, toutes ces, de toutes ces infrastructures, mais, mais, mais dire que, que rien n'a été fait, c'est quand même assez, je pense, assez culotté au niveau de la ville de Lausanne est clairement une mesure juste socialement, mais est-elle également viable écologiquement Permettrait-elle également de tendre vers les objectifs, par exemple, de l'accord de Paris de 2015 Alors, euh... ouais. <laughs> euh, voilà, y, y... de nouveau, je me permets d'expliquer euh, d'abord euh, le concept de multimodalité. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Euh, donc, par multimodalité, on entend... Ouais, c'est utilisé dans, soit au courant d'une journée ou au courant d'une semaine plusieurs moyens de transport. Donc la voiture et les transports publics, ou la marche et les transports publics, etc. Et puis sur la journée, les transports publics, de toute manière, ça favorise la multimodalité dans le sens où personne n'habite dans un arrêt de bus. Donc normalement, il faut se déplacer d'abord pour rejoindre les transports publics. Et puis là, euh, quand il s'agit de courtes distances comme au centre-ville de Lausanne, euh, bah, effectivement, souvent, c'est soit le vélo, soit la marche, plus transport public. Quand il s'agit de distances plus longues, donc la périphérie au centre-ville, là, il y a tout euh, l'enjeu de développer euh, le réseau entre périphérie et centre-ville. Et puis, euh, évidemment, euh, il va être compliqué de relier. Euh, toute la périphérie avec euh, une fréquence et densité suffisante au centre-ville dans l'immédiat. Et puis là, il y a un certain nombre de voitures qui vont continuer à rouler. C'est difficile à, à éliminer. Euh, mais par contre, voilà, ce qui est faisable, c'est de laisser ces voitures à la, au bord de la ville de Lausanne par euh, des baies plus air abordables. C'est aussi possible de relier déjà beaucoup plus... De partie de la campagne et d'éliminer, euh, donc, enfin, je disais au début que 46% des, des ménages lausannois n'ont pas de voiture, il y en a beaucoup de voitures ici à Lausanne, d'éliminer quand même une grande partie euh, de ces voitures. Euh, en quelque sorte, si à la fin, une famille possède toujours une voiture, mais l'utilise une fois par mois pour aller faire euh, des grandes courses ou je ne sais pas quoi, on a déjà beaucoup gagné que si cette famille utilise cette voiture au quotidien pour aller au travail. Et c'est vraiment de ça qu'on parle um, actuellement. Une fois qu'une famille investit dans une voiture, souvent elle l'utilise tous les jours pour tous les déplacements. Et puis c'est ça qu'il faut à tout prix, dès demain, abolir. Um, et là, la gratuité des transports publics, c'est une, une très grande pierre à apporter à l'édifice d'avoir une voiture qui influe les comportements et non pas et non pas l'inverse hein. finalement on croit qu'on utilise sa voiture par absolue nécessité mais c'est juste parce qu'on a une voiture qu'on fait telle ou telle chose encore une question euh, que pensez-vous du Suisco Pass cela permettrait à moindre coût à la population de se déplacer dans le pays êtes-vous prêt à soutenir cette solution moi je sais pas ce que c'est le Suisco Pass est-ce que quelqu'un ici ouais Quelqu'un sait ce que c'est Non. Alors, on va demander à cet internaute de préciser sa pensée parce que les experts réunis autour de la table euh, ne connaissent pas ce, ce concept. Donc, j'imagine un concept peut-être étendu du Swisspass. Mais euh, voilà, on attend, on attend vos précisions, monsieur ou madame. Merci beaucoup. Et, euh, on, va bientôt, on va bientôt se quitter hein, parce qu'on a, on a, on a parlé beaucoup et longtemps. Mais euh, vous pouvez encore nous envoyer quelques remarques ou questions si vous le souhaitez. C'est un petit peu la dernière minute. Euh, moi, je voudrais voilà, voir. Avec vous, si euh, à votre avis il y a des choses qu'on n'a absolument pas dit ce soir, qu'on aurait carrément loupé et qu'il faudrait ajouter avant qu'on conclue cette table ronde et avant que je vous remercie tous d'y avoir participé. Oleg Gafner. Rapidement, mais je... c'est vraiment réaction de ce qui a été dit juste là maintenant. C'est vrai que, alors à court terme, je suis d'accord, il faut. Encourager la multimodalité, mais à moyen terme, en fait, le but c'est d'éviter qu'on doive tous les dix ans repenser la comment qu'on arrive à Lausanne à, en multipliant les lignes. Le problème c'est qu'actuellement, on concentre les services dans une ville, dans un canton, c'est qu'on que ce soit à, à plusieurs échelles, hein, que les quartiers n'aient plus de services, sur la poste, grand exemple, euh, mais que les, 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 les villes de plus petite taille aussi n'aient euh, plus de services publics, plus d'activités ou moins d'activités culturelles. Et puis, euh, et puis ça, ça participe alors, au mitage du territoire à l'acidification des sols, enfin c'est extrêmement large et, et, et puis ce qui est important avec le transport public gratuit c'est de se dire euh, que là actuellement on a la vision vraiment, je parlais au tout début des, des réseaux en étoile, c'est ce qu'on a encore en tête mais l'étape, après ça c'est aussi une question de volonté politique, pendant par volonté pour un débat pour le grand conseil, c'est euh, comment au niveau cantonal on, on fait une planification et ou comment le canton en tant qu'état arrive à intervenir dans les communes, dans les districts pour éviter que Lausanne soit euh, Soit vraiment euh, le centre et doivent capitaliser tous les besoins de mobilité. Euh, mais c'est pas que du canton de Vaux, hein, de, de la Suisse romande en partie. Donc voilà, ça c'est important peut-être pour élargir ce euh, transport public gratuit maintenant, oui. Et puis à moyen terme, vraiment arrêter de, de, de centraliser tout parce que on, le terrain n'est pas extensible non plus. Euh, et puis d'un point de vue biodiversité, puis euh, bah, aussi euh, lutte contre les changements climatiques, c'est essentiel d'arrêter de, de, bah, de grappiller toujours, euh, toujours un peu plus d'espace. Jonathan, Jonathan Chavannes. Oui, bah, Peut-être aussi un point alors, on a un peu peu, dont on a peu parlé ou qu'on a évoqué très rapidement, c'est aussi surtout euh, l'idée de, de diminuer sa mobilité, ça on n'en a pas vraiment parlé, et, et c'est quelque chose qui est vraiment euh, crucial pour le futur. Euh, prendre moins le transport, que ce soit le transport en commun, que ce soit les transports individuels, etc. Euh, il faudra diminuer notre mobilité. Je crois que le plan climat prévoit une diminution de 10%, on peut imaginer plus. Et pour ça, une solution euh, claire qui va dans le sens aussi euh, de ce que M. Gaffner précisait avant, c'est de dire on doit avoir euh, carrément Lausanne au quart d'heure la ville au quart d'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est chez nous, on peut avoir accès à des services, des services publics euh, partout en ville, pour qu'on ne s'oblige pas aussi à prendre les transports publics pour aller partout, pour aller juste à la poste. Ça n'a plus de sens d'aller dans les hauts de, de Lausanne, aller jusqu'à Saint-François pour aller euh, livrer un, un colis. Et du coup, c'est dans ce sens-là aussi qu'on doit aller euh, pour diminuer cette, cette mobilité. Là, on rejoint l'idée d'aménagement de, voilà, de, de, euh, au niveau global, hein, et, et plus largement. Euh, pratiquement, si on instaure la gratuité des transports publics, est-ce que cela va se répercuter sur la rémunération des employés des TL Voilà, peut-être un chauffeur ou une chauffeuse qui s'inquiète de son sort. Et c'est vrai que vous avez, euh, pour beaucoup d'entre vous ici ce soir, la fibre sociale. Euh, voilà, est-ce qu'on risque de précariser euh, les finances globales des TL et puis euh, le, le statut des, des employés en particulier. Euh, ça, c'est un sujet qui est, qui est euh, peut-être un, peu, un, un, un petit peu annexe par rapport à la, à la, grande, euh, à la grande épopée que ça, ça représente au niveau du canton, mais c'est clair que les employés télé, TL ou, ou même d'autres entreprises du canton qui nous écoutent sont peut-être pas forcément euh, très, très enchantés parce que disparition des, des billets, ça veut dire qu'il y a tout, tout un service technique d'entretien d'administration, notamment des paiements, des, bah, des machines, etc., euh, qui n'existent plus. Euh, qui, bah, qui plus. Euh, les contrôles ne sont plus, euh, ne sont plus nécessaires. Et puis, euh, donc là, il y a un véritable, un véritable questionnement social à se, à se poser. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un problème qui est très, euh, très difficile à, à régler. Ce n'est pas la première fois de notre histoire, de l'humanité, que tout d'un coup, on a un, un, un travail où, ou une, une corporation qui disparaît au profit d'une autre. Donc euh, il s'agit peut-être de ne pas juste les mettre sous le carreau et puis les licencier et puis au revoir bonne nuit, euh, mais déjà de considérer qu'on a une augmentation massive euh, des, des, des infrastructures, des, euh, bah, déjà d'entretien de, pour euh, euh, s'occuper des, des nouveaux véhicules, les chauffeurs bien sûr. Donc là, il y a peut-être des pistes à, à proposer, peut-être euh, certains employés à reclasser, à reformer. Euh, euh, et euh, une chose qui a été, euh, je crois, expérimentée, mais j'avoue que je ne me souviens plus euh, en France, c'est euh, de favoriser l'accompagnement euh, des, euh, des, des voyageurs, que ce soit... Peut-être à des arrêts d'importance ou même directement dans les, dans les bus. Et là, on a euh, pour toute une catégorie de travailleurs, euh, les contrôleurs en particulier, on a un changement de, de paradigme, un changement de métier qui me semble aussi peut-être plus positif que finalement de faire la chasse aux resquilleurs. Donc plus vous faire du contrôle de vie, mais pour aiguiller les gens et les, les aider les gens, dans la mobilité. Exactement. Et ah. puis, il y a peut-être, peut-être tu en parler, il euh, y a une, une, une inquiétude qui, qui apparaît parfois. Euh, notamment euh, l'augmentation des, des déprédations, des, des mauvais comportements. Bon, je t'ai coupé la parole. Euh, euh, et qui, euh, bah, du coup, on pourrait euh, reformer ces euh, employés mm -hmm. euh, aussi pour un accompagnement dans les, les, les heures qui pourraient euh, paraître critiques sur certaines lignes pour calmer la situation, faire descendre la température s'il y, y a une nécessité. Francisca Manière, vous vouliez ajouter quelque chose Non Si ce n'est pas le cas, je, je vous lis la deuxième partie de la question, parce qu'il y avait un petit 1 et un petit 2 dans cette question. Euh, José Ibarra, peut-être, si on élimine les voitures personnelles à terme, ce que je souhaite, est-ce qu'on va faciliter l'accès à des services, si possible étatisés, de location de véhicules type Mobility Est-ce que ça, c'est une, une piste intéressante d'après vous Alors, je pense que c'est une piste intéressante, effectivement, parce que l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum le nombre de voitures et les trajets en voiture, mais on peut quand même penser qu'il y aura toujours un nom résiduel, on va dire, de voiture ou de déplacements qui, qui se feront en voiture. Donc pour ce, ce, vraiment ce, ce nombre résiduel, euh, la voiture électrique et puis la voiture, les, les voitures en libre service, euh, c'est un, bon, euh, un bon moyen parce que c'est bah, tout, tout simplement euh, une solution enfin, moins pire que d'avoir une voiture en propriété qui est à côté de chez nous et qu'on l'utilise tout le temps. Puis même pour le moyen terme, je pense que c'est aussi, euh, peut-être pour l'entretemps, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi, euh, ça, ça a un rôle à jouer important et on le voit déjà. Beaucoup de ménages qui finalement ils se disent bah, En fait, j'utilise la voiture qu'une fois toutes les deux semaines, donc je la vends et puis je loue une Mobility euh, quand, quand j'en ai besoin. Donc je pense que c'est tout à fait une, une, une bonne piste. Après, il ne faut pas oublier il faut, il faut toujours. Il ne faut pas, pas oublier que le but, c'est vraiment de sortir de ce, de ce modèle de mobilité qui est quand même autour de la, de la voiture. Euh, on n'a pas parlé des de données, par exemple, d'accidentologie, mais j'ai été surpris ces jours de voir que rien que sur la commune de Lausanne, dans les dix dernières années, on a eu 20 personnes tuées. Donc vraiment, on se dit, on a un modèle de mobilité où on pourrait très bien se déplacer autrement, mais qui génère 20 personnes, 20 morts en 10 ans. On a 4200 victimes qui ont été reportés. je ne parle que de la commune hein, de Lausanne, euh, on a euh, ouais, 97 000 places de parc dont 21 000 sur les domaines publics. J'avais fait le calcul, 21 000 places de parc équivaut à 30 stades de foot. Donc, je veux dire, il faut vraiment pour moi, le but, c'est on peut réfléchir à la gratuité des transports publics, mais le but, c'est de, 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 de vraiment de prendre la, de se rendre compte de la, de la magnitude du, de la problématique. De l'énorme de place de la voiture et puis de vraiment mettre tous les moyens pour, pour y remédier. Puis finalement, pour libérer les gens de cette dépendance automobile, qui est une dépendance à la fois en termes de mobilité, mais aussi en termes de qualité de vie, euh, par toutes les nuisances qu'elle génère et par, même niveau, sur le plan économique, finalement, beaucoup de, de familles doivent aussi aujourd'hui euh, dédier une part très importante de leurs revenus pour la voiture. Puis on le voit, les solutions pour euh, remédier à tout ça existent. Il faut que l'État le mette en place parce que c'est quelque chose que, qui ne va pas se faire si c'est qu'au niveau individuel que ça va jouer. Des solutions, vous nous en avez euh, proposé beaucoup. On en a évoqué beaucoup euh, pour euh, libérer les gens de leur dépendance automobile. On va peut-être retenir cette, cette formule. Francisca Maynard, vous vouliez peut-être ajouter un tout petit mot et puis ensuite, euh, on, on se quitte. Est-ce que vous vouliez nous dire quelque chose en fait, c'était juste vraiment ça. Enfin, la gratuité des transports publics, pour nous, c'est justement la première étape, la première mesure pour euh, après amener euh, toutes ces transformations plus larges pour vraiment réduire nos, nos déplacements et notre dépendance à la voiture. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est pas l'étape dans le futur lointain, c'est le premier petit pas à faire pour après faire plus. Francisca pour Solidarité. Merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde. Euh, Julien Schwab pour le POP. Jonathan Chavannes pour le Parti Socialiste. Rosé Ibarra pour les Verts. Et Oleg Gaffner, vous étiez là pour représenter les Jeunes Verts. Merci à vous tous et toutes. C'était, Moi, j'ai trouvé très intéressant. Je crois que euh, de l'autre côté de, euh, de, de l'ordinateur, on a eu également beaucoup d'attention. 125 commentaires ce soir en tout. On n'a pas pu tous les lire et les partager. Mais alors, merci infiniment d'avoir été aussi euh, présent et actif. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et, euh, et ben, ça compense le fait qu'on n'ait pas pu partager cette soirée directement avec vous ce soir. Donc, merci infiniment euh, de votre attention. Euh, et puis, merci également à Pôle Sud pour l'accueil et qui nous a prêté sa salle ce soir, donc le Centre socioculturel de l'Union syndicale vaudoise. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci encore. Et n'oubliez pas d'aller voter le 7 mars. C'est peut-être déjà. Fait.